السلام عليكم متتبعي كيكس بلا بلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج ديالكم. اليوم غادي تكون حلقة رقم 60. بالنسبة اللي غيحضر معنا أول مرة، فمرحبا في كيكس بلا بلا، هو برنامج أسبوعي واللي بدأ من سنة 2018. كنقدموا فيه مواضيع تقنية بلغة دارجة بسيطة. كيكس بلا بلا هو مشروع مفتوح المصدر، الهدف دياله هو إطراء المحتوى المغربي وأيضا مساهمة في تطوير المجتمع التقني. في كيكس بلا بلا كتكون أيضا حلقات اللي كنستضفو فيها قصة نجاح مغربي اللي كيشارك معنا ومع المتتبعين، كيشارك معنا فيهم ضيف الحلقة المسار ديالو، أملا منا في إلهام وتشجيع ناس أخرين بغيو يتبعوا نفس المسار. الحلقة ديال اليوم مختلفة على باقي الحلقات، اللي غيكون معنا فيها هو أستاذ جامعي غني عن التعريف، قدر بالطريقة التدريس ديالو أنه يكون أستاذ ومرجع لعدد كبير من الطلاب في المجال التقني داخل المغرب وخارجه بأسلوب بسيط وسلس. كيقدم كل ما عنده علاقة بالجافا الويب والموبيل وتقنيات أخرى. جي في الحلقة هو الأستاذ محمد يوسفي. فهذه الحلقة غادي نتعرفوا جميع على المسار ديالو، كيفاش بدأ المجال التقني، كيفاش بدا في عالم التدريس، وما غنساوش اننا نناقشوا معاه مواضيع تقنيه او مواضيع اخرى متعلقه بالجامعه المغربيه. فعلى بركه الله نبداو الحلقه ديال اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل المعتاد. السلام عليكم، مرحبا بك معنا أستاذ ديالنا محمد يوسفي. مرحبا، شكرا سي سفيان. ديكس بلا بلا كنبداو بواحد السؤال اللي هو دائما كنبداو به الحلقة ديالنا، اللي هو واحد تعريف أو تقديم بعجالة على شكون هو محمد يوسفي. شكرا سي سفيان. اول حاجه دونك شكرا على الاستضافه ومرحبا بالمستمعين، و كنشكركم على هذه الاستضافه، وفي نفس الوقت سا مي في بليزير دو كونيتر دابور دو فو كونيتر بون اي دو ديكوفرير كون فيت كو الحمد لله هي دي جون كوم فو qui essayent de faire beaucoup de choses pour la communauté. Et donc, ça me fait plaisir de partager avec vous à des moments. Donc, ça me fait plaisir de partager ces moments, surtout avec le public. Donc, j'aime beaucoup passer des moments avec les étudiants. Donc, ça, c'est un métier qui me passionne. Et à chaque fois, il faut partager, au fait, nos expériences à chaque fois qu'on partage nos expériences avec les étudiants, donc à l'Admisbalia, c'est toujours ça me fait énormément plaisir. Alors, on a quand même bon à dire c'est un dans la LMC, c'est ça? Oui. Moi, je sais que vous avez là après une drôle là, le master. Alors, on a en fait Mohamed Youssoufi, فوت سامي وسبعين من مدينة فرزات، في dans un village qui s'appelle Isfoutalil. Donc Isfoutalil هو واحد الفيلاج اللي في l'entrée de la ville de Ouarzazate. Et c'est un village en fait là où j'ai grandi. J'ai fait pratiquement mon primaire, j'ai fait aussi mon collège à la ville de Ouarzazate. وكل مرة كنهضر على المدينة، على اسم تاليل، على وافزات، على لوريجين، بون انا كتفهموا ان كاين واحد ليموسيون كي ان تي بو بارتيكولير، باسكو فعلا هذيك يعني لانفيرونمون جي غوندي
C'est un environnement, en fait, dans lequel nous avons connu que du partage. Alors, en fait, on a qu'un Aqal, pratiquement, dans le village, c'est pratiquement toutes les maisons étaient ouvertes. C'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire, partagent tout ce qu'ils avaient. On n'a pas besoin parfois c'est-à-dire de taper la porte pour, mais généralement, c'est-à-dire cet échange-là, c'est des communautés, c'est-à-dire des familles qui sont tous presque des frères et des sœurs. Et bon, ça c'est quelque chose qui est impressionnant, la région, d'une manière générale, c'est tout le Maroc. Mais on a particulièrement, dans ma famille, c'est un peu ça. Donc, ce qui fait, l'enfance, c'est-à-dire, bon, on est là pour partager avec les autres et on essaie de donner le maximum de nous-mêmes pour les autres. Alors, après, j'ai passé mon lycée à Marrakech, donc c'est un peu particulier. En fait, le primaire, parce qu'en fait, un acteur l'environnement. Je peux vous dire, bon, j'ai la fierté, c'est-à-dire de parler de ça, parce que je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens. C'est que j'ai grandi dans un environnement, on n'avait rien, c'est-à-dire en termes, mais en même temps, on avait pratiquement, il y avait de la joie. C'est-à-dire, on vivait dans la joie, mais avec peu de moyens. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est quelque chose d'inexplicable. Bon, c'est-à-dire, bon, je parle bien sûr de l'époque. Et c'est tellement il n'y avait pas assez de moyens que les études, peut-être, qui me concernent particulièrement, en fait, madame, en fait, du fait que le Walidine, en fait, c'est-à-dire, tout ce qu'on savait, c'est le Coran, Karim, ou cela, et en même temps, en fait, on va dire, notre langage machine, mon langage machine, parce que là, je suis informaticien, c'est Shlaha. C'est-à-dire, on parlait, je pensais Shlaha, on chantait Tamazirt, tout ça, donc c'est-à-dire que j'ai grandi d'abord avec un langage machine qui est, pour moi, c'était le dialecte de la région. Et j'ai cette fierté donc d'avoir en fait grandi comme ça. Et c'est après par la suite donc le lycée. J'ai passé mon lycée technique à Marrakech. Alors par la suite j'ai fait mes études supérieures à l'INSEP, là où je travaille maintenant. Donc c'était un bac plus 4. Et on était formés pour être des enseignants. Donc juste pour parler de l'INSEP. En fait, l'école normale supérieure de l'enseignement technique de Mohammedia, au début, donc, il a été créé, c'est principalement pour former des enseignants en 4 ans. C'est-à-dire, c'est une formation pour former vraiment des enseignants qui étaient destinés à enseigner dans des lycées dans le domaine technique. Globalement, c'était la mécanique, l'électronique, l'informatique, bon, l'économie, gestion, etc. Donc, Anna, j'ai fait mes études à l'INSEP. Et je suis resté enseignant à l'INSEP, donc particulièrement parce qu'en fait à l'INSEP il y avait à l'époque on avait besoin de en fait il y avait un besoin énorme d'enseignants, ce qui fait les lauréats des promotions à l'époque d'ailleurs à l'image de beaucoup d'enseignants à l'INSEP, les lauréats de la promotion on les gardait, on leur donnait un poste à l'INSEP pour former aussi des enseignants, c'est-à-dire on commençait à former les enseignants. Et voilà donc je formais en fait, les enseignants au début, mais en parallèle, je faisais mon doctorat et c'était aussi à la faculté des sciences de Rabat. Donc, j'ai fait mon doctorat de troisième cycle en 1996, où après, j'ai fait le doctorat d'État. Alors, en 96, là, j'ai terminé le doctorat de troisième cycle. J'avais la chance ou le hasard, c'est-à-dire, il y avait une entreprise qui a fait en fait qui a fait appel à mes services parce que à l'époque il voulait c'était un entrepreneur qui venait de l'étranger. Peut-être j'aurai l'occasion de parler de lui parce que c'est quelqu'un également qui est très connu, qui est très populaire aujourd'hui. Donc il voulait développer le multimédia. C'était question de développer des CD-ROM multimédia de l'enseignement au Maroc parce qu'à l'époque tous les CD-ROM à l'époque c'était importés de l'étranger. Et voilà, donc j'ai travaillé avec lui, c'est-à-dire, bon, je suis prof à l'INSEP, mais je travaillais comme j'étais développeur,
j'ai même développé. Donc, ça nous est arrivé de faire de très, très belles choses. Le premier CD-ROM qui a été développé, c'était même en 1998 ou 99. C'était un CD-ROM pour l'enseignement des mathématiques en bilingue. Alors, ça n'existait pas à l'époque. On l'avait appelé d'abord Mina Ibn Zaydoun wa Riyadiyat. En fait, c'est l'entreprise MCE Management qui est en fait son créateur, c'est Monsieur Mamoun Moubarak Taribi, qui est assez connu aujourd'hui également dans un autre domaine. C'est juste entre parenthèses. Et voilà. Donc, et c'était le début du web. Donc, et après, j'ai grandi avec en fait l'évolution. Et j'avais cette chance, en fait, de grandir avec cette évolution, c'est-à-dire, au début, c'était du HTML, après, c'est du JavaScript, CSS, après, c'est du PHP, et après, il y a du Java qui vient, et après, il y a l'architecture J2E, il y a .NET, même dans .NET, il y a l'ASP 2.0, 3.0, etc. Bon, donc, c'est juste pour vous dire, en fait, moi, j'avais cette chance de grandir avec cette évolution technologique. Et comme j'étais passionné, donc je bossais tout le temps, donc je passais pratiquement beaucoup de temps avec mon ordinateur, même en prenant du café. Et voilà, donc je suis un produit, en résumé, je suis un produit 100% marocain. Donc toutes mes études ont été faites au Maroc. Donc mon doctorat troisième cycle, le doctorat d'État. Mais c'est vrai que dans mes recherches, dans mes travaux de recherche, des échanges avec, c'est-à-dire des universités à l'étranger. Donc j'ai fait, donc c'était plus aussi des expériences d'échanges avec l'étranger. Mais c'est juste pour vous dire, voilà. Donc j'ai la fierté en fait de le dire, c'est que je suis un pur produit de système éducatif marocain. Mais il faut dire une chose, c'est je suis quelqu'un qui est autodidacte, c'est-à-dire tout ce que je transmets, tout ce que etc. Dans la majorité des cas, c'est des choses que j'apprends moi-même. Et du coup, donc il y a de la recherche, il y a le développement, etc. Voilà. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Je pense que j'ai un petit peu, je vous ai donné une idée sur mon niveau. Oui. Alors, je ne t'arrive pas ouf. T'as pas fait la barre de fatalité là, de parcours, oui. Le maximum que je peux, d'accord. j'essaierai un petit peu de choisir, on va dire le langage le plus approprié. Il y a beaucoup de gens qui ont des étudiants qui disent que c'est Darija, mais nous avons le programme de XBlabla qui essaie de faire généralement Darija, mais لا يمنع ان المتحدث الضيف ولا اي واحد انه يهضر بطلاقه. اللي كيهمنا هو ان المعلومه تدوز، ان الناس يستافدوا كما كانت اللغه دارجه عربيه فرنسيه ولا انجلي ولا شلحام امازيغيه. الوغ بغيت هضرت لنا على واحد المسار، كي قلتي برودوي ماروكين ولا منتوج مغربي 100%، قريتي في مدرسه عموميه على ما اعتقد. كان عندك واحد الباركور من وازازات مراكش محمديه في هذا المجال وفي هذا الباركور، واش كان عندك هدف انك تكون استاذ؟ واش كان عندك هذا لا باسيون بانك تعلم وتقري، او لا حتى لواحد الوقيته عاد حسيتي براسك راه بغيتي تكون استاذ؟ وي فهمتك السي سفيان، فهمت السؤال ديالك. و جو بونس سي اون تري بون كيستيون، باسكو انا متبعي يعني toute l'enfance plus زعما les études supérieures jusqu'à bon je suis quelqu'un de timide. Je suis timide mais en même temps dans mes activités en fait en parallèle je suis musicien. Donc quelqu'un qui aime beaucoup l'art. Et dans l'enfance je pratique la musique populaire, enfin yani, et après par la suite toute donc j'ai voulu avec c'est-à-dire l'environnement. Mais je restais toujours quelqu'un de très timide. Donc, je ne me suis jamais mis dans la tête que je... C'est vrai, Fashkna, Talava, ou en fait, Talamid, etc. Donc, il est sur le chéhet que vous pouvez acheter les gens, ou les moulins, ou les moulins, ou les moulins, ou les moulins. Mais, Anna, je suis
يعني ما كاش كنشوف راسي نقدر زعما نكون داك الاستاذ اللي فريمون كي كاباب دو ترانسميتر سيتادير لا سيتادير جافي با سيت سيرتيتود هاد القناعه هذه ما كانش عندي. ولكن غير انا باش نقول اون فيت يعني كيلكو با دون نوتر ام دون نوتر سيرفو نو زافون دي كاباسيتي. وهذوك لي كاباسيتي سي دي كاباسيتي كي فون سورجير فواحد الوقت اللي هو الانسان كي سو ديكوفر لو ميم. دونك فعلا ماشي اللي وقع لي انا دوبي كو en fait j'ai eu le baccalauréat كان عندي واحد الميول انني ندير en fait ingénieur. Donc c'était c'est-à-dire ce que je voulais faire en principe. Mais في نفس الوقت داك العام كانوا دي كونكور زعما كانوا دي كونكور beaucoup de concours à passer. Mais il se trouvait que pratiquement هاد l'INSEP Mohammedia c'était juste le hasard. Parce que quand j'ai eu un ami, pour vous dire un peu l'anecdote, un صديق ديالي qui après qui a fait ses études en Allemagne, son rêve c'était d'être enseignant, parce que vraiment il voulait être à l'INSEP faire ses études. Ou quand j'ai eu un ami, pratiquement on était des amis, presque des frères. Et le jour où il allait passer le concours de l'INSEP, je devrais tout simplement l'accompagner. Et il se trouvait que je l'ai accompagné, mais en fin de compte, comme j'avais aussi déposé le dossier, donc donc j'ai passé le concours de l'INSEP et j'ai réussi. Et malheureusement, lui, il n'avait pas réussi. Je me rappelle bien, c'est que même le crayon, parce qu'il fallait avoir un crayon, un stylo, le crayon que j'avais, en fait, lui, il a divisé, en fait, il a ce crayon qu'il avait, il a divisé en deux. J'ai pris un petit morceau, il a pris un petit morceau. Donc le hasard a fait que. Mais quand j'étais l'INSEP, j'étais un peu impressionné. D'abord, qu'il y avait une école comme l'INSEP Mohammedia, où il y avait vraiment, c'est vrai, c'est quand même, c'est-à-dire une grande école, qui, il y avait beaucoup de très bons professeurs à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des étrangers, il y avait un mix entre les Français et les Marocains, parce que l'INSEP était lancé en 1985, mais après, il y avait en fait du partenariat, etc. Mais après, donc, je me suis retrouvé donc en train de préparer ma carrière en tant qu'enseignant. Ce n'est que, mais Fnuslort, Nisbalia, l'INSEP, c'était pas uniquement pour former l'enseignant, mais c'était une école d'ingénieurs. C'est-à-dire, on était formé ingénieur et enseignant. Donc voilà l'explication. Donc, en terminant mes études à l'INSEP, j'étais ingénieur. Et en même temps, je suis enseignant parce qu'on avait une formation pédagogique. Mais en même temps, comme dans le temps, j'ai beaucoup aimé le métier. Et en fait, les premières années, donc j'ai les ingrédients d'être un bon professeur. Et comme c'est notre métier, donc quel ijtihad, en fait, voilà. Donc, parce qu'en fait, واحد الحاجه اللي خصكم تعرفوا ان استاذ دونك pour devenir un enseignant d'abord la qualité de l'enseignant c'est d'être généreux parce qu'en fait si on n'est pas généreux de nature c'est un peu c'est très difficile d'être un bon enseignant parce que si vous êtes généreux ça veut dire que vous essayez de donner de tout ce que vous avez. Bon, au final هذه هي la caractéristique personnelle, c'est que dans ma vie, je suis quelqu'un de très généreux, c'est-à-dire dans le sens de la connaissance, dans le sens de tout ce qui est matériel, immatériel. Donc ça, c'est qui m'a dit qu'un akbert à les parents, comme mes parents aussi, c'était la même chose, que dans l'environnement comme ça. Et voilà, donc peut-être ce qui explique ma passion de le métier, parce que je passe beaucoup de temps à préparer des documents, qu'indouz vous aviez l'ordre de vachin nous jeter de très bonnes choses pour les étudiants et de les partager le plus tôt possible. Donc, parfois même, voilà, il faudrait que je partage, c'est-à-dire cette chose-là, parce que on ne sait jamais, on peut dormir, ne pas se réveiller. Et pour moi, le plus grand crime, enfin, je le dis crime, qu'on peut avoir, c'est que quand on a beaucoup de connaissances qu'on ne partage pas.
C'est-à-dire, si on meurt, si on part, si on meurt avec des choses qu'on n'a pas partagées, bon, ça c'est un crime. Pourquoi? Parce que, à la rigueur, tout ce qui est matériel, même si vous, c'est-à-dire vous partez, il y a toujours les héritiers, on peut utiliser, mais en fait, la connaissance, non. La connaissance, c'est quelque chose que vous avez, elle est faite pour la partager, pour la donner aux autres. Et c'est comme ça qu'on peut faire grandir le, en fait, le, on va dire le, voilà, le peuple, voilà, tout simplement. Oui. Effectivement, وهذا واش يعار ديال اكس بلا بلا والو بارطاج ودائما تكونوا معنا ضيوف اللي الهدف الاساسي ديالهم هو انهم يبارطاجيو بدون اي هدف مادي ولا حسابات ولا فقط من اجل نشر المعرفه والثقافه التقنيه. الو من قبل نكمل معك في هذا البوان اللي كنتي كتهضر معايا فيها استاذ، بغيت هنا نشير للناس اللي كيتفرجوا في الحلقه بلي ان الحلقه ديالنا مقسمه لجوج ديال الفقرات. الفقره الاولى غنهضروا فيها على الاستاذ محمد اليوسفي والمشوار ديالو والمسار ديالو، من بعد غادي نهضروا في الفقره الثانيه على التعليم والادوكاسيون عموما وخصوصا في المجال الجامعي. الوغ ممكن انكم تخليونا الاسئله ديالكم والملاحظات ديالكم والاقتراحات ديالكم، غيكون نقاش اللي هو بناء اللي غادي نهضروا فيه مع الاستاذ، حتى نتوما ممكن انكم تساهموا فيه عن طريق لي كومونتير. وفي نهايه كل فقره غادي ناخذ الاسئله ديالكم وغادي نشاركوها مع الاستاذ محمد يوسف. الوغ غادي نكمل معك في البارتي فين وقفتي استاذ، هي قلتي لينا كون كوا لقيتي راسك استاذ ولكن نجحتي في هذا المسار، بحيث ان كل جل او كل التلاميذ ديالك كيشكروا وكيوصفوا بالطريقه ديال بانها طريقه جيده بزاف ومزيانه بزاف، وماشي فقط التلاميذ ديالك وانما كل الطلاب ديال التقنيه اللي كنت انا واحد منهم في واحد الفتره وكنت من المتتبعين ديال الفيديو ديالك. ونقدر نقول لك بان تقريبا كل قسم ديالي كان متتبعين ديال الفيديو ديالك، خصوصا في الشق ديال جافا. السؤال ديالي هو كيفاش انك، شنو هي الوصفه السحريه او الوصفه اللي خلاتك تكون استاذ نقولوا ناجح؟ يعني اشنو هما الامور ولا التيبس ولا النصائح اللي تقدر تبارطاجيهم معنا فاش الا كان شي واحد اخر اللي بغى يولي استاذ، اولا شي واحد اخر اللي بغى يولي مقدم ولا محاضر ولا شي حاجه اللي بغى يتعلم طريقه مزيانه في الالقاء ولا طريقه باش يكون واحد استاذ ولا مدرس جيد وفي المجال التقني خصوصا؟ انا فهمت السؤال. En fait, في l'enseignement, كاينين on va dire il y a deux choses. كاين جوج حوايج. كاين en fait le contenu, la connaissance. يعني فاش تكون استاذ في المجال فاش كتدير الدرس كيخصك واحد le contenu qui est très riche. Alors, بحال اللي خدينا لو كاد ديال l'informatique par exemple. Surtout l'ingénierie logicielle, par exemple, c'est un domaine, peut-être on aura l'occasion de parler de ça, parce que je pense que c'est très important pour les jeunes, pour même l'économie nationale aussi. Dans le domaine de l'ingénierie logicielle, il faut d'abord être passionné, c'est vrai. Parce que si vous n'êtes pas passionné souvent, vous n'allez pas aimer passer beaucoup de temps à écrire beaucoup de code, à corriger, à chercher la meilleure façon de faire les choses, etc. Donc, déjà, bon... انا كان عندي واحد المهم سي كو ديجا لو ميتي لوي ميم لافورماتيك لانجينيوري لوجيسيال سي كيك شوز كو جي جو سي كيلكان دو باسيوني دونك سا سي لا بروميير دي شوز اي او في نفس الوقت كنجتهد سيتادير يعني بالنسبه ليا انا بون سي توجور يا دي ديفي دون لا في سي كوم سا كو جي غراندي دونك كاين لا كونيسونس il faut que ça soit développé il faut aimer d'abord le métier là où vous enseignez. هذا هو اول حاجه. ثاني حاجه هي لا بيداغوجي. alors la pédagogie فيها شقين، واحد الشق اللي هو on va dire c'est lié à la personne elle-même. alors كيما قلت لك الانسان اللي هو donateur généreux c'est-à-dire dans sa vie ou quelqu'un اللي كيبغي par exemple يعطي d'une manière générale d'une manière générale dans sa vie, ça veut dire que en principe il peut servir au maximum ses études. Ou après donc il y a tout ce qui est d'abord la nature humaine. Donc c'est-à-dire que normalement dans le domaine de l'éducation
on devrait être dans ce c'est-à-dire dans cet état. Ou quand je cherche de la pédagogie, c'est quelque chose qui s'enseigne. Parce que la pédagogie, c'est un ensemble de pratiques qu'il faudrait connaître et en quelque sorte qu'il faut apprendre. Et il faut apprendre, en fait, à transmettre, on va dire, la connaissance. Il n'y a pas uniquement la connaissance, il y a le savoir et le savoir-faire. Donc, les choses à vivre, il faut savoir les transmettre. Ou la chose la plus difficile dans, en fait, la pédagogie, le cas de l'informatique, l'ingénierie logicielle. Yani, l'époque, c'était quoi? Il y avait l'algorithmique, la programmation, base de données, le système d'exploitation. L'assembleur, c'est-à-dire, finalement, il n'y avait pas, c'est-à-dire, en termes de contenu, il y avait les fondamentaux. D'ailleurs, c'est ces fondamentaux-là qui sont toujours les plus importants dans la carrière de, on va dire, de domaine de l'ingénierie logicielle. Walekin Deba, non. Deba, il y a une grande évolution, ce qui fait dans le domaine de l'enseignement. Donc, il faut avoir le recul. Alors, si on n'a pas ce recul sur, c'est-à-dire les choses, comment ils ont évolué, c'est parfois difficile. Tu ne peux pas donner tout à l'étudiant, parce que si tu veux lui donner tout, ben, généralement, il finira par se perdre. Donc, mais il faut savoir lui donner l'essentiel au bon moment. Parce que parfois, il faut dire, quand on enseigne, c'est vrai que ça arrive parfois qu'il y a des étudiants qui te posent des questions. Monsieur, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Il y a des questions à laquelle on répond, on va dire, dans ce cas-là, voilà la réponse. Mais parfois, ça m'arrive de lui dire, essaie de patienter, laisse ta question pour la prochaine séance, dans 2 semaines ou dans 3 semaines. C'est-à-dire lui organiser sa manière d'acquérir la connaissance. Parce que parfois, l'étudiant, c'est vrai, quelqu'un qui est ambitieux, il a envie de savoir tout en quelque sorte. Mais dans la pédagogie, c'est-à-dire, il faut donner l'essentiel dans un premier temps et au fur et à mesure, les détails. Il y a des détails qui sont importants, mais il faut les faire sortir au bon moment. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais ça, c'est des techniques qu'on peut apprendre à la rigueur. C'est technique. C'est-à-dire, on peut apprendre par le temps. Ou, Ramgouli, comme juste un petit point important, tous les enseignants, généralement, et là, tu as la question. Tu vois, le cours d'IEL, par exemple, généralement, la première année d'expérience, on essaye de faire des cours qui sont trop chargés. Il y a beaucoup de slides, beaucoup de textes, beaucoup de choses. On a envie de faire tout. La deuxième année, généralement, on essaie de réduire. Donc, en principe, on va dire ça, c'est vrai, c'est important, mais ce n'est pas aussi important maintenant. Donc, c'est-à-dire avec un peu de d'expérience, généralement, le contenu, on arrive à avoir une méthode pédagogique adéquate à l'aspect de la matière, à l'aspect bien sûr de la matière qu'on enseigne. Non. En fait, j'ai un. C'est bon, c'est réglé le problème. Ah bon? Parfait. Baqi chi haja oustad ni kma tfa wala ndouzou. Donc hadarti ala la pédagogie, donc moi c'est un peu ça. Donc il a tfakkar chi haja f alors khadna nfhamou bi anna la pédagogie hiya chi haja mouhima bzaf fash tkoun chwaïj si soufiane fi la pédagogie fi had deux choses. Ou d'abord il faut travailler sur la personne elle-même, il faut avoir de la volonté et aller être vouloir donner de soi-même, être généreux, et en même temps il faut avoir ça, c'est pas quelque chose que tout le monde peut avoir, parce que c'est-à-dire devant les étudiants parfois il faut être avec la patience, ça se fait. Mais en même temps il y a le contenu, bien sûr c'est qu'on est bien préparé.
et bien structuré d'une manière pédagogique pour le transmettre donc selon le contexte d'apprentissage. Parfait. السؤال الاخر اللي غادي نناقشوا معك استاذ هو كيفاش جات الفكره او النوبه باش انك تسجل الدروس ديالك لايف زعما تسجلهم في القسم وابخي تحطهم في السور انترنت واش كانت جات هكاك ولا ديجا فكرتي فيها لان نورمالمون ما عرفتش كاين شي واحد اخر كيدير اول مره كنشوف هذه الطريقه ديال تسجل لايف في وسط القسم شنو نقول لايف يعني درس Exactement. Ouais. Je te remercie beaucoup d'avoir posé cette question-là parce que c'est vrai. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'est toujours ça une relation avec la pédagogie. Alors en fait, moi ce que dans mon cursus, ça fait très bien. Enfin, parce que là-bas, ça fait quand même plus de 20 ans que je fais l'enseignement, on va dire beaucoup plus que ça. Donc c'est-à-dire dans l'ensemble, j'ai enseigné beaucoup de matières en informatique pratiquement, allant de l'ingénierie logicielle, base de données, les systèmes. Bon, globalement, la programmation, il y a beaucoup de choses. Il y a une dizaine d'années, plus que 10 ans, je ne me rappelle pas exactement, c'est que, là j'ai remarqué une chose qui est très importante, c'est que le contenu qu'on donne aux étudiants, il est trop chargé. Effectivement, l'informatique d'abord, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Rien que, là, quand j'enseignais le Java J2E, donc normalement l'architecture J2E, c'est pratiquement dans le, même avant l'année, au début des années, on va dire 2000, c'est que les systèmes distribués tout ça, il y avait tellement beaucoup de choses où on a les étudiants, ils avaient du mal à capter tout ça, mais en même temps on a envie d'aller plus vite. Donc au début, donc ce que je faisais, c'est que je passais beaucoup de temps à préparer des documents, c'est-à-dire des ateliers dans lesquels on montre, voilà, pour faire cette chose, voilà les petits détails. Bon, c'est des documents, ça prenait beaucoup de temps aussi pour les préparer. Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, bon, ce que je vais faire, j'avais toujours cette envie de dire, voilà, tout ce que je fais, en fait, j'aimerais bien l'enregistrer et le partager avec les étudiants. Donc, après, j'ai cherché, j'ai trouvé un outil qui permet de faire la capture écran. À chaque fois, avec les étudiants, quand je fais des démonstrations, je fais un petit peu des choses comme ça, j'enregistre, je fais l'enregistrement en classe. Et après, je leur dis, voilà, à la fin de la séance, ils viennent toujours avec leurs disquettes, enfin, c'est pas disquettes, des disques durs, des choses comme ça, je leur donne des vidéos. Alors, ce que j'ai remarqué que le fait de leur donner les enregistrements que je faisais en classe, il y a des étudiants qui, d'habitude, ils ont du mal à suivre le contenu, ils ont du mal à avoir la maîtrise. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est qu'au bout de quelques semaines, je trouve que les gens, c'est-à-dire les étudiants, ils se sont transformés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai aperçu qu'en fait, il y a des étudiants parfois qui viennent en classe. Et les conditions d'apprentissage ne sont pas toujours bonnes. Parce que quand vous avez un étudiant qui a pris son bus ou qui a un problème chez lui à la maison, je ne sais pas, et il n'a pas la tête, même si tu lui racontes, je ne sais pas, même si tu es un pédagogue, je ne sais pas quoi, quand il n'y a pas c'est-à-dire quand l'étudiant il n'est pas prêt à recevoir, voilà, il ne peut pas recevoir. Donc, ce qui fait le fait que j'enregistre, ce qui se passe, c'est que les étudiants, ils partent chez eux la nuit, les week-ends, ils revoient un petit peu les enregistrements, ce que je faisais. Et après, j'ai constaté que mon cours avance très vite, c'est-à-dire... je n'avais pas des étudiants en classe qui me disent, voilà, j'ai pas compris des choses comme ça, mais j'ai remarqué quand même que pratiquement tout le monde, ils ont à peu près le même outillage et tout le monde comprenait facilement. Donc, ce qui me permet d'avancer très vite. Donc, j'ai aperçu finalement que l'enseignement, il y a fait tout ce qui est synchrone et asynchrone. C'est-à-dire parfois en live, en temps réel,
c'est l'occasion de transmettre des choses les plus importantes, etc. Mais également, en asynchrone, c'est que quand vous êtes en live, c'est que tu n'as pas la certitude que les étudiants ils sont prêts à recevoir, c'est-à-dire ils ont toute leur capacité, on va dire, de réception. Parce que la capacité de réception d'un étudiant, ça dépend également qui m'implique du contexte. Parce que, en fait, les conditions ne sont pas toujours les meilleures dans le contexte d'apprentissage. Donc, mais en mode asynchrone, mais parfois, il y a des étudiants, j'ai aperçu qu'il y a des étudiants qui ont cette capacité d'apprendre uniquement le soir. Bon, pour lui, chez lui, à la maison, le soir, il est tranquille, ou quand il est dans un café, il réécoute un petit peu l'enregistrement, il a plus, c'est-à-dire l'occasion de maîtriser une chose. Moi, Ali Achidadak, je parle, ça fait très longtemps, ça fait plus de 15 ans. Et après, je fais les enregistrements. Après, j'ai constaté que, en fait, d'ailleurs, les enregistrements que je fais, je n'ai jamais le temps de réécouter ce que j'enregistrais. Parce que pour moi, c'est un peu, c'est-à-dire, voilà, tout ce que je fais en classe, je l'enregistre, je le partage avec les étudiants. Mais ce que j'ai constaté, c'est que mes étudiants partageaient avec d'autres étudiants de d'autres écoles. Et qu'à un moment donné, j'ai un peu les échos que pratiquement, c'est que le. D'ailleurs, il y a parfois des étudiants qui me posaient la question, monsieur, est-ce qu'on peut partager les cours avec. Ben, je leur dis, mais bien sûr, mais je c'est-à-dire, c'est fait pour être partagé. Donc, ce qui fait, j'ai aperçu quand même, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs au Maroc, beaucoup d'étudiants qui s'échangeaient, ça, il n'y avait pas YouTube. Enfin, à l'époque, je n'avais jamais l'idée d'utiliser YouTube, etc. Je ne savais même pas, en fait, je savais qu'il y a YouTube, mais je ne savais pas qu'on peut créer une chaîne dans laquelle on allait partager. Donc, c'était plus un partage dans le. Mais effectivement, donc, quand j'ai un petit peu regardé YouTube, j'ai trouvé qu'on peut créer une chaîne dans laquelle on partage. Et je n'ai pas pris beaucoup de temps, j'ai créé la chaîne et je commence à lancer ces vidéos, ces enregistrements vidéo. Il y a beaucoup d'enregistrements que j'ai perdus, enfin, c'est-à-dire parce que parfois ça consomme beaucoup d'espace, il y a les disques durs parfois qui peuvent, etc. Mais en tout cas, je commençais tous les enregistrements, je les compilais, en fait, je les partageais. Et je prenais même pas le temps de regarder un petit peu ce qu'il y a dans ces enregistrements. C'était juste pour dire finalement du moment que c'est un peu c'est du contenu qui est intéressant, qui peut intéresser d'autres. Ben on va essayer donc de partager avec un maximum de gens. Ben c'était comme ça. Donc je mettais des enregistrements vidéo et après c'est quand à un moment donné j'ai aperçu. C'est pas que j'ai aperçu, on m'a raconté, je vous rassure. Je vous assure qu'en fait, je n'ai jamais jeté un coup d'œil dans ma chaîne pour voir il y a combien de gens qui suivaient les vidéos, il y a combien de, etc. Il y a combien de partages, des choses comme ça. Bon, pour moi, c'était plus un support comme les autres. Bon, je partageais. Mais après, c'est que les gens qui m'ont raconté, bon, vous avez une chaîne qui est très, très, très intéressante. Et après, j'ai aperçu effectivement qu'il y a beaucoup d'étudiants partout le monde, en fait, surtout le monde francophone. Et là, je le dis bien, c'est en Afrique, pratiquement. C'est vraiment, c'est pour moi, en Afrique, en France, bon, le Maghreb, même au Canada, etc. Et ce qui m'a fait plaisir et ce qui m'a vraiment encouragé, c'est que je commençais à recevoir beaucoup de messages. Malheureusement, que je ne peux pas répondre aux messages parce qu'ils étaient très nombreux. Et après, donc, les messages, merci beaucoup, des choses comme ça. Alors, ça, c'est la plus grande récompense que je commençais à recevoir. C'est-à-dire, bon, ça, c'est quelque chose qui fait plaisir à l'enseignant d'une manière générale. Parce que quand on a, parce que vous savez, on est dans. Il y a ni la reconnaissance, on est dans un pays ou dans un monde, parfois la reconnaissance, parfois ne vient pas toujours, c'est-à-dire, si vous cherchez la reconnaissance, il faut pas la chercher à l'immédiat. Donc, ce qui fait, quand tu vois un petit peu les messages qui viennent comme ça, ça te fait plaisir et ça t'encourage. Et bon, ça m'a encouragé un petit peu de dire, voilà, je vais un peu faire de mieux. Je commençais un petit peu à préparer le contenu, c'est-à-dire passer du temps à faire du montage, peut-être
il y a des scènes qui ne sont pas utiles, donc je les supprimais, etc. Faire le contenu. Et ça continuait avec YouTube, donc d'ailleurs, c'est un peu le début. Mais après, à un moment donné, bon, j'ai aperçu quand même que c'est pour moi, c'est l'un des projets, c'est l'un des meilleurs projets que j'ai fait dans ma vie, parce que donc quand je faisais ça, je le faisais si vraiment dans le c'est-à-dire dans les, il faut je passe beaucoup de temps à faire des expériences, et quand j'arrive à c'est-à-dire à faire des choses qui sont très intéressantes, qui peuvent être partagées, ben, tout simplement je dis c'est vraiment les premiers qui bénéficient de ça, c'est mes étudiants en présentiel, etc. Parce que quand vous le constatez, pratiquement je n'ai pas le temps d'enregistrer, de faire des enregistrements chez moi à la maison, parce que tout ce que je fais, c'est des choses que je fais en classe, hein. Et c'est dans la majorité des cas, c'est quelque chose de très sans protocole, sans rien, c'est-à-dire voilà. Donc alors pour moi, donc l'histoire c'était comme ça. Mais à un moment donné, je vous cache pas que une fois que j'ai vu un petit peu que l'engouement, que cet intérêt généralement qui m'a fait plaisir d'ailleurs et que m'encourageait, moi j'avais encore une autre responsabilité d'encourager les enseignants avec moi, parce que je sais que en fait si les enseignants font la même chose, donc j'essaie de leur expliquer, mes collègues, les gens, je leur dis écoutez, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que le fait de, c'est-à-dire de d'enregistrer votre contenu, ce que vous faites, ce que vous maîtrisez, et de le partager avec les autres, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est-à-dire dans les médias on ne le voit pas, mais c'est-à-dire quand on passe du temps, ben on voit que en fin de compte Flingénierie logicielle, par exemple, je vous donne un exemple. Flingénierie logicielle, alors quand vous êtes dans la bande dynamique, une fois le domaine, quand vous êtes dans la bande dynamique, vous avez une capacité de production qui est énorme, c'est-à-dire vous faites des choses extraordinaires. Mais si vous laissez, vous gardez les choses pendant 6 mois ou 3 mois ou 4 mois sans toucher Haja, ben, à un moment donné, quand vous revenez sur peut-être les choses que vous maîtrisez, vous avez du mal à avoir la même, c'est-à-dire la même capacité de productivité. Donc, c'est juste dire que quand on se sent dans un niveau de productivité qui est, on va dire, très, 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 très important, il ne faut pas hésiter d'enregistrer votre contenu et de le partager. Pourquoi? Parce que peut-être un jour, et je ne vous cache rien, que parfois, ça m'arrive de faire un cours. Et après, c'est un cours que je ne fais pas pendant une longue durée. Et quand j'essaie de préparer le cours pour le faire une deuxième fois, je me retrouvais que finalement, ça m'est arrivé de réécouter mes enregistrements. C'est-à-dire, bon, imaginez, moi, je suis en train de commencer à m'écouter moi-même, à apprendre de moi-même, personnellement. Ben, c'est des choses que j'ai produites, la date. Mais je me retrouve à un moment donné, je suis en train d'apprendre de moi-même. Pourquoi? Parce que la capacité de production, c'est contextuel. Donc, et quand je commençais à m'écouter, et je commençais à me dire, c'est incroyable finalement. C'est-à-dire que je n'arrive pas à croire que dès que là où j'enregistrais, que j'étais dans la capacité de production qui on va dire que je n'ai pas peut-être avec l'instant. C'est juste pour vous dire que l'acquis, c'est-à-dire quand on est dans une bonne dynamique, généralement, moi j'encourageais les enseignants à faire pareil, et c'est vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pour moi, donc déjà, bon, ça c'est le partage, déjà c'est quelque chose de très noble dans la vie d'un être humain. Et après, bon, il y a bien sûr et surtout, on va dire, qui m'a convaincu que voilà, la reconnaissance, il faut la chercher d'une manière asynchrone.
Ajna asynchrone, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose de bien, n'attends pas le retour tout de suite. Alors parfois le retour, ça vient après. Ça vient dans une année, dans 3 années, dans une décennie, je ne sais pas. Et il ne faut jamais attendre la Oui. reconnaissance. Bossez, faites de bonnes choses, et croyez-moi que la reconnaissance, c'est-à-dire les effets positifs sur vous-même, la notoriété, les effets positifs sur vous-même, ça viendra d'une autre manière, des choses que vous ne pouvez pas vraiment imaginer. Donc voilà, donc ça, j'essaie un petit peu, c'est vrai, c'est difficile d'expliquer tout. Oui. Bon, لا كنفهمها مزيان، شكرا بزاف. وكنشوفوا لا باسيون ديال التدريس ولا ديال انك تكون استاذ جامعي، وكنعتقد من هذه الحلقه الناس بزاف الناس غيشوفوها غيوليو يبغيو يكونوا اساسيت، حيت عموما كنعرفوا المجال التقني الاغلبيه تمشي للمجال البروفيسيونيل. ربما هذه غتكون الحلقه مرجع لعدد من الناس اللي غيلقاو لا باسيون ديالهم وغيعرفوا بانهم غيكونوا اساسيده ناجحين، وربما في المستقبل يوليو اساسيده. الوغ اخر سؤال غادي نطرحه في هذه الفقره قبل لا ندوزو للفقره الاخرى ديال التعليم الجامعي في المغرب، اللي هي كنشوفوا اغلبيه تقريبا نسبه كبيره من الفيديوهات اللي كاينين فيهم جافا جي دوز، واش هي مجرد صدفه ولا استاذ محمد اليوسفي كيلقى واحد زعما كيبغي يخدم بهذا اللونغاج؟ هذا هو تبارك الله عليك سي سفيان، زعما راك فريمون اون فيت. دونك كيما قلت لك، بون كاين واحد ليفوليسيون اللي هو كاين ليفوليسيون كي ناتشورال. سو ني با كو جو في جافا جي 2 او اونيكمون بور، مي اون فيت فو سافي، مو كون جي كومونسي ا فير لو ديفلوبمون ويب، c'est que je développais avec l'ASP. Ça, c'est pour le développement web. Je développais avec la, en fait, bon, c'est juste pour revenir au langage de programmation, c'est-à-dire les premiers logiciels que j'ai créés, soit au niveau de, pour, c'est-à-dire professionnel, pour des entreprises, et aussi au niveau de la recherche, parce que quand je faisais le doctorat, je développais des solutions. C'était le langage Pascal et le langage C. C'était les langages, on va dire, avec lesquels on avait appris, en fait, c'est-à-dire à programmer. Et après, donc j'ai commencé, et après, bon, il faut juste rappeler une chose, c'est que quand à l'époque on faisait de la programmation avec le langage C ou le langage Pascal pour faire de la programmation, à l'époque on faisait la programmation sous MS-DOS, sous DOS. Et à l'époque, la programmation sous MS-DOS, c'est vous avez ce qu'on appelle la mémoire conventionnelle, c'est-à-dire vous avez votre application ne peut pas dépasser 640 kilooctets dans la mémoire. 640 kilooctets, c'est pas un méga, c'est-à-dire vous devrez développer votre application, tout le code que vous écrivez, il va s'exécuter avec toutes les variables, avec tout ce que vous avez, ça ne devrait pas dépasser 640 kilooctets. Et à l'époque, il n'y avait pas c'est-à-dire les bibliothèques graphiques, les menus, tout ça. C'est des choses qu'il faut développer soi-même. C'est-à-dire, pratiquement, tu reconstruis toute l'application, la gestion de la souris, tout ça. C'est des applications qu'on arrivait à faire. Mais pour la faire, c'est qu'à un moment donné, à chaque fois que tu exécutes, bah, tu vois des choses, dépassement de la pile, et après, tu essaies de réduire la pile, tu augmentes le temps. La gestion de la mémoire, c'était un petit peu quelque chose qui était un casse-tête pour les programmeurs, c'est-à-dire il faut optimiser. Quand tu utilises un int ou bien un byte, il fallait vraiment faire le choix. Donc c'est-à-dire on était dans des conditions, il faut optimiser ton application, sinon tout simplement il va pas s'exécuter. Après, donc après il y avait l'écosystème de la Visual Basic sous Windows. Après bon, il y a la mémoire supérieure, etc. Et du coup, donc, on produisait des applications avec Visual Basic, avec des bases de données, etc. Ça passait le stade. Et après, bon, la programmation orientée objet, c'est quelque chose qui me passionnait parce que c'est quelque chose de vraiment de bien fait depuis d'ailleurs le langage C++, etc. Et après, Flow Web. Alors, Flow Web, j'ai commencé à développer avec l'ASP.
La version 2.0, la version 3.0, 4.0, donc c'était ça. Et juste après l'ASP, il y a du PHP. À un moment donné, j'ai basculé vers PHP parce que, en fait, de toute façon, moi, en même temps, je développais, mais en même temps, je faisais de l'enseignement. Et j'essaie toujours un petit peu de, c'est-à-dire les étudiants, c'est-à-dire de proposer, parce que l'enseignement, ce n'est pas uniquement enseigner, mais il faut le dire, parce que nous, on crée des filières. C'est-à-dire des filières d'ingénieurs. Et quand vous créez des filières d'ingénieurs, ça veut dire qu'il faut, tu dois faire l'ingénierie de la filière elle-même. Tu dois travailler le contenu. Et dans le contenu, pour faire l'accréditer, donc il fallait faire on va dire, les bons choix pour le futur ingénieur. C'est un peu ça. Donc, ce qui nous poussait à travailler avec pratiquement avec toutes ces technologies, PHP. Donc, et en 98, je pense, 98, j'ai commencé, en fait, il y avait l'évolution du langage Java. Et après, Java, c'était le début. Et après, j'ai beaucoup aimé, en fait, déjà l'architecture, bien sûr, du langage. Et en même temps, c'est-à-dire le fait de pouvoir créer des applications multiplateformes, etc., c'est quelque chose c'est-à-dire qui était dans mon esprit depuis très longtemps parce que je me posais toujours moi-même cette question. Et après, voilà, donc c'est un peu, c'était le début. Et en fait, le langage Java pour moi, c'est vraiment ça en fait. Le langage Java, c'est un langage qui est bien fait. Et quelqu'un qui fait de la programmation généralement orientée objet, quelqu'un qui veut vraiment faire de la programmation orientée objet et qui veut apprendre les bonnes pratiques de développement, généralement, c'est plus simple au niveau académique et au niveau professionnel de mettre en œuvre les concepts avec Java. Par exemple, les design patterns, l'application de tous les concepts d'ingénierie logicielle, c'est quand même un langage qui est très, 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 très bien fait. Donc, ce qui explique que je l'utilisais beaucoup. Et surtout, avec l'apparition de l'architecture J2E, qui avait, parce que, ça, c'est maintenant, je pense qu'on ne va pas rentrer dans les aspects techniques, mais il y a le principe de l'inversion de contrôle. Quelque chose qui a bouleversé. Et en fait, dans l'ingénierie logicielle, je considère qu'il y a un point d'inflexion. À partir des années 2000, il y a l'approche orientée aspect, la programmation orientée aspect, qui est venue pour permettre de séparer les différents aspects de l'application. Parce qu'en fait, ça, c'est quand on développe l'application, il y a les aspects fonctionnels, les aspects techniques, sécurité et le reste. Et avant les années 2000, on ne savait pas comment les séparer. Le seul moyen pour pouvoir, c'est-à-dire réutiliser des aspects techniques dans une application, c'est de faire des copier-coller, des codes sources, etc. Donc, c'était assez dramatique. Donc, avec l'apparition de l'architecture J2E, avec le principe de l'inversion de contrôle, ça m'a impressionné. Effectivement, parce que l'architecture J2E, c'est la première qui est venue avec le principe de l'inversion de contrôle. Et après, Spring Framework, pour moi, et ça, je le dis toujours, c'est la locomotive de l'ingénierie logicielle. C'est le framework qui a tiré l'ingénierie logicielle vers le haut. Parce que même si les autres langages de programmation suivaient, parce que tout ce qu'on peut faire avec Spring, on peut le faire avec Laravel, on peut le faire avec d'autres frameworks, on peut, etc. Mais il se trouvait que Spring, il est toujours, il y a quand même un stade de quelques années d'avance sur, en fait, c'est-à-dire, c'était, donc, et bien, du coup, donc, quand j'ai retrouvé, en fait, donc, Java avec le framework Spring, ben, j'ai trouvé, finalement, que c'est la meilleure façon de produire des applications de qualité, hein, parce qu'en fait, dans la qualité logicielle, ça, on peut en parler s'il le faut, c'est d'utiliser un framework comme, par exemple, Spring. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement utiliser le framework Spring pour développer des applications pour l'entreprise, mais c'est quelque chose qui est impressionnant. Bon, ce qui expliquait que je trouvais que... Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, c'est-à-dire dans le monde académique, même à l'étranger, pratiquement dans les pays occidentaux, etc. Donc, au niveau académique, c'est le langage Java, c'est le plus préféré pour enseigner des concepts.
Ça ne veut pas dire que généralement, c'est parce qu'on voyait que le Java, J2E et tout ça, donc c'est un peu l'architecture idéale pour faire passer des concepts fondamentaux. Mais après, comme je disais, donc le langage n'a jamais, pour moi, d'ailleurs, c'est ce que je dis aux étudiants, à chaque fois je leur dis, c'est que comprenez bien l'évolution de l'ingénierie logicielle. Il faut savoir ce qu'on appelle les points d'inflexion, le principe de l'inversion de contrôle, la programmation orientée aspect, etc. Et il faut voir l'évolution au niveau de la généricité, l'utilisation des annotations et tout. Mais quand vous arrivez là, eh bien, à un moment donné, bon, finalement, pour produire des applications de grande qualité, bon, il n'y a pas qu'un langage de programmation que vous pouvez utiliser. Maintenant, avec l'approche microservice, donc on peut développer chaque partie de l'application avec une technologie, mais ça ne m'a pas empêché entre-temps de faire du Node.js, parce qu'en fait, c'est quand même Node.js, c'est un génie. Parce que là, je dis toujours aux étudiants, parce que au moment où aucune technologie, aucun langage, à l'époque, ne savait comment créer un serveur qui utilise un single thread, et bien, Node.js, il l'a inventé. Bon, c'est Node.js qui a inventé c'est-à-dire cette idée de génie d'utiliser un single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Mais après, par la suite, les autres technologies ont suivi. Bon, Java, d'ailleurs, dans sa version 7, il a introduit les entrées-sorties non bloquantes. Et après, les autres technologies ont suivi. C'est juste pour vous dire que, à mon avis, bon, quelqu'un qui fait de l'ingénieur, il doit avoir, on va dire, peut-être un jour, je vais écrire un livre sur cette partie-là, parce que j'ai beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Mais dans l'évolution du génie logiciel, il y a des points, ce qu'on appelle l'inflexion. Donc les points, il y a une révolution. Donc les points de révolution qui se sont déroulés depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Donc il faut un ingénieur, il doit les connaître. Quand vous parlez à quelqu'un de Java, ben vous lui dites Java de la version 1 à la version, donne-moi les évolutions majeures. Bon, quand vous lui dites Java 8, c'est quoi l'évolution majeure? Ben il devrait être capable de dire, ah, il y a les expressions lambda, il y a les streams, il y a le et d'autres éléments, c'est-à-dire par exemple la programmation orientée à aspect, c'est un point d'inflexion. Et après, il y a les fondamentaux, c'est les design patterns, c'est-à-dire, c'est des choses indépendamment du langage. Donc pour moi, quand j'enseigne avec, je programme avec Java, quand je fais mon enseignement, c'est d'abord il y a le langage, mais surtout il y a les concepts, parce qu'en fait, quand j'implémente des design patterns avec Java, ben Java, c'est un langage, pour moi, c'est l'idéal pour implémenter ces patterns, parce que si vous voulez le faire avec du JavaScript ou bien du TypeScript, ou, etc., donc vous pouvez le faire, vous arriverez à faire tout ça, mais c'est pas la même chose. Choukran, Ostad. Alors, بغيت نذكر الناس كيتفرجوا فينا بلي ان اللايف كاين في الفيسبوك وكاين حتى في صفحه في يوتيوب في القناه ديال جيكس بلا بلا. بالنسبه للناس اللي بغاو يتفرجوا في يوتيوب راه يمكنهم. اي معنا اليوم يوسف العزيزي اللي هو المراسل ديالنا من فيسبوك ويوتيوب واللي غادي يقول لنا شنو الاسئله اللي كاينين في الفقره ديال الاسئله قبل ما نبداو الفقره الثانيه. اوكي شكرا سي سفيان، صراحه ممتع الحديث مع السي الاستاذ ديالنا سي يوسف. مالك مشيتي سفيان؟ سفيان بغا يرتاح شويه. anyway, او برينسيبال نتبع لي كومونتير، صراحه لي كومونتير اللي كاينين تساعدني. قبل ما نبدا لي كومونتير بغيت نشكر الاستاذ يوسف صراحه اللي كان يعني فاش دوموندينا ان يجي معنا نزولا عند الرغبه ديال بزاف ديال الناس اللي كيتبعوا البرنامج، ما قالش لا، وصراحه كان يعني في اقرب جو غير هذه واحد السيمانه ولا قل يعني في ساعه فيكسينا الامور. دونك شكرا بزاف سيريوس في، وصراحه هذه من الحوايج اللي بزاف ديال الناس كيعاودوا لك انك كتكون ديما انتراكتيف مع بنادم، شي حاجه اللي زوينه بزاف. دونك نقدر نلخص لك لي كومونتير كانوا فيهم، نقدر نقول لك لابارتي الاولى كلهم تيشكروك صراحه، كاين بزاف ديال كومونتير، وزعما غادي ناخذ شويه ديال الوقت ونبين لك زعما احسن كومونتير. وواحد شي واحد في يوتيوب كيقول لك الاستاذ قال لك والله الا حتى كنت تمزك لك، يعني باش كيوصل لدرجه انه كيتمزك، يعني راه وصل لواحد النيفو اللي هو بشكل ابار. صافي لي كومونتير كاين عندنا جيش ديال الناس اللي كيقراو في لينسيت كلهم
ديري لينسيت لينسيت لينسيت. كنشكركم الناس ديال لينسيت صراحه، ديما كيكونوا معنا. وكاين لي كومونتير ديال لونغ لان كيقول تهضروا شويه اكثر بالعربيه، كما قال سفيان راه الضيف ديالنا خصو يخطر حتى في الهضره شي حاجه اللي هي مزيانه، دونك راه غالبا كلشي كيفهم. اوكي دونك اللي بغيت نقول لك صراحه استاذ اليوسفي، الحلقه 60 في جيكس بلا بلا، وباش الكويز ما صريح في هذه القضيه هذه، ديما كنجبدوا شي موضوع على البروغراماسيون مع لي ستوديو كيسولونا شي وحدين، ديما كيكون واحد شويه ديال العتاب على المدرسه العموميه اكسيتيرا، التعليم العالي بدات خدك شي اللي كتقرا راه ابسوليت اكسيتيرا، كاين بزاف ديال الحوايج بحال هكذا. ولكن الملاحظه زعما في الطريقه ديال الاستاذ اليوسفي خصوصا في يوتيوب اكسيتيرا، هو انه ديما كيقرب بارفو الجديد. تقدر تشوف لي التوتوريال دابا كتلقى انجولار الاخر، كتلقى سبرينغ الاخر. بغيت نعرف انا الاستاذ اليوسفي كيفاش كيقرا هذا الجديد هذا، واش حيت راه فريمون صعيب حيت بارفو فاش كتكون خدام في شي بواط ولا كذا يعني بلي بروجي كتعلم، الاستاذ اليوسفي كيفاش كيتعلم هاد لي تروك جداد وكيبقى ابديتد؟ ميرسي لا سي يوسف، شكرا بزاف على دافور لو كونتاكت باسكو سي توا كي ما كونتاكتي دونك بور او في نفس الوقت دونك انا سوي تري تري رافي دو فير فوتر كونيسونس. فا جو يعني راه ديجا on s'est déjà rencontrés dans des événements, donc alhamdulillah, donc ça c'est toujours, ça fait plaisir. Alors Nisbel, effectivement, l'une des choses on va dire c'est un défi, l'enseignement de l'informatique, particulièrement surtout dans le domaine des technologies, c'est-à-dire quand vous êtes dans le domaine du développement web, mobile, développement distribué et tout ça, il y a une évolution énorme. Avec l'évolution, c'est vraiment, si on n'arrive pas à la suivre, on sera largué. Yani, dans le sens, c'est que les cours que je faisais il y a 2 années, il y a des parties qui sont pratiquement, on va dire, obsolètes. Donc ça veut dire, effectivement, on a un diable canard, c'est que chaque année, je dois, en fait, il faut renouveler un petit peu le contenu. Ça me fait beaucoup de travail. Alors, qui fais-je? L'évolution. Parce que je ne te cache pas, ça me fait plaisir parce que même j'ai des contacts avec des entreprises, il y a des amis, il y a des entreprises avec qui je partage les expériences, même à l'étranger. Ça m'arrive d'accompagner des entreprises étrangères pour la mise en place, c'est-à-dire d'une architecture d'une solution ou de faire l'audit qualité d'un projet, etc. Et après, il me pose cette question. Tu es un enseignant-chercheur, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons aussi on fait de la recherche scientifique, c'est-à-dire nous avons des doctorants qui préparent des doctorats, etc. Après, on est censé faire de la recherche scientifique dans notre métier. On me pose la question, comment ça se fait, un enseignant qui est pratiquement à jour, parce que même par rapport aux ingénieurs, je leur dis d'abord une chose. Anne-Amnis Bellier, je suis enseignant-chercheur, mais je suis développeur, c'est-à-dire je développe beaucoup d'applications. Il y a des applications, c'est-à-dire à chaque fois que je suis dans un café, c'est que j'ai 2 ou 3 applications que je développe. Et il se trouve que chaque année, j'essaie toujours d'améliorer la qualité de l'application, ce qui me pousse justement à chaque fois reposer un petit peu la question, c'est-à-dire quelle est l'architecture idéale au niveau sécurité, comment faire mieux les choses. Au niveau de l'évolution, moi j'ai la chance aussi de dire que parce que j'ai fait mon doctorat d'État dans le domaine des systèmes distribués, systèmes parallèles et distribués. Donc ça veut dire que je suis censé faire de la recherche scientifique. Et quand on fait de la recherche scientifique, vous savez que les grandes évolutions qui se sont déroulées ces dernières années, le big data et le cloud computing, c'est que moi, j'étais dans ce domaine depuis très longtemps, dans le domaine de la recherche. C'est-à-dire, on faisait des articles, on faisait des publications scientifiques. Parfois, on étudie des choses avant même qu'ils arrivent peut-être à arriver vers l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui c'est-à-dire sur lesquelles
dans les conférences scientifiques, généralement, on discute toujours comment améliorer les performances. Il faut démontrer que cette solution-là, c'est toujours mieux que cette manière de faire. Donc, il y avait déjà l'esprit de la recherche. Donc, c'est-à-dire prendre une avance par rapport déjà à ce qui va venir dans le futur. Donc, ça, c'est quelque chose que je pratique dans mon métier en tant que chercheur, pas en tant qu'enseignant. Deuxième, c'est que je joue aussi le rôle d'ingénieur développeur. C'est-à-dire, je passe beaucoup de temps à écrire du code, à développer des applications pour moi-même, pour l'université, pour notre établissement, pour les amis, pour parfois je développe parfois des applications juste parce que je voudrais les prendre comme les use cases à utiliser pour développer un cours. C'est-à-dire, et d'ailleurs, que vous le remarquez, bon, chaque année pratiquement dans mes cours, et il y a toujours un exemple d'application, mais cet exemple d'application, finalement, pour le préparer, et j'essaie d'utiliser pratiquement tout ce qui est nouveau. Alors, il y a beaucoup de nouveautés, donc voilà. Donc, c'est un peu une partie de la réponse. Mais effectivement, ça demande beaucoup d'investissement. Sincèrement, c'est parce que si on investit pas beaucoup de temps, c'est vrai que les vacances, on passe des vacances. Et quand vous êtes pendant les vacances, et je suis sûr que c'est la même chose pour les gens qui font de l'ingénierie logicielle, c'est que souvent, moi, je me réveille toujours très tôt, hein, à 6 heures du matin, 7 heures du matin, et j'en profite même pendant les vacances d'été. Je prends mon café, je pars dans un café en attendant que les enfants se réveillent vers 10 heures, 11 heures, je ne sais pas quoi, donc pour sortir ensemble. Donc, c'est-à-dire, même ce temps-là, on va dire, j'essaie d'en profiter pour apprendre beaucoup de choses, de faire des tests. Donc, ce qui explique que pendant les vacances d'été, pour moi, c'est l'occasion de trouver le temps pour apprendre aussi des autres. Parce qu'il faut le dire, même si je partage mon contenu, mais moi aussi sur YouTube, c'est-à-dire, je le dis, c'est un peu, je cherche quelque chose, je le trouve, je mets mes écouteurs et j'essaie d'apprendre des autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui me passionne, voilà. وي دونك الا بغيت الصراحه الجواب ديالك يعني كما قلتي في الاول اللي لاحظت زعما هي لا باسيون ديالك بلا فورماتيك كما قلتي كل كسوه واخا كتكون يعني في الصيف ما عندك ما يدار في الصباح بكري راك كتهز البيسي وتقلب شويه شي حاجه اللي فريمون مهمه في كل شيء ابار سا كما قال سيليوس في كيخدم دي سايد بروجيكت دونك هي الحاجه الوحيده اللي تخليك تكون ابديتد اضافه الى لي زيفينمون اللي كيحضر وهو اوبن شويه على الكوميونيتي اكسيتيرا دونك كنا كنعرفوه شحال من خطره تلاقينا في زيفينمون اي وسي الطريقه كيفاش هو كيدير الريسيرش نتاعو يعني كتعطي واحد الملكه كما كنقولوا ديال انه يبقى ديما ابديتد شكرا سيريوس في السؤال جاتني تري واحد لو بوين كي تري امبورطون سي بون سي سكو نو ابلون ليكونومي دو لا كونيسانس ليكونومي دو لا كونيسانس هاد لو بارتاج كون تو بارتاج جينيرالمون سي كو تي رونتر اون انتيراكسيون avec le public. Et quand tu rentres en interaction, on a dit que l'interaction, c'est l'interaction, c'est bon, en fait, avec ta jawab مع الناس, ou avec l'interaction, tu apprends des choses. Exactement. Donc c'est juste pour dire en fait, partager c'est évoluer. Et là je le dis toujours comme ça, c'est que plus je partage, plus tu évolues. Oui. Plus je partage, plus j'évolue. Ça, c'est qui est démontré dans la littérature, l'économie de la connaissance, c'est que quand je te donne la connaissance, c'est que tu interagis avec moi. Et quand tu interagis avec moi, c'est-à-dire moi, j'apprends aussi. Oui. Et si je n'apprends pas de toi, mais j'apprends peut-être à travers une critique, que j'apprends que je devrais faire mieux. Et ça veut dire que c'est ce qui pousse un peu les gens à aller vers l'avant. Ça, c'est juste entre parenthèses. وي صراحه كما قلتي البارطاج شي حاجه مهمه بزاف وهي اللي كتعاون يعني قبل انا مثلا كنانسيستي على هذيك القضيه ديما كنقولها في اكس بلا بلا مثلا انك بدات تكتب دي بلوغ اوبن سورس اكسيتيرا كتعاونك ان مثلا كتبغي تكتب غير شي حاجه على تكتب عليها بلوغ بدات كيكون عندك دي زيدي وما متاكدش واش هو صحيح 100% ولا لا كتجي تاكد تقلب مزيان عاد باش كتكتب هذيك القضيه هذيك كتفيدك اضافه الى لي كومونتير اللي غادي يجيوك
واحد السؤال اللي كيسولوه بزاف الناس صراحه، انا كنشوف انطلاقه زعما من الاكسبيريونس ديالي اللي تشر، يعني الاساتذه عندهم واحد المشكل ديال انه بيتيتر ما حنا عارفين بان النيفو ديال التلاميذ شي طالع شي هابط، خصوصا في الدومين ديال الانفورماتيك، شي حاجه اللي بيتيتر واحد كيقرا بوحدو من الباك كيفهم الانفورماتيك بيتيتر كيعرف فيها كي ولا شي حاجه، الاخر يلاه بدا عامين ديال السي بي تيقرا الماط واحد شي دخلت ديال الانفورماتيك. انت كيفاش كتعامل مع هذه القضيه ديال ان النيفو كيكون متباعد جدا ما بين لي ستوديون ديالك، وكتخلي راسك يعني كل شيء يستافد؟ وي الو فعلا هذا واحد الحاجه مهمه بزاف. En fait, d'achat, je n'ai pas dit la pédagogie. En fait, yani quand vous, mais qu'on a avec le talaba, yani finalement, quelque part, parfois, même au niveau des prérequis, yani donc les prérequis, ils n'ont pas tous les mêmes prérequis. Il n'y a pas que les prérequis. Attention, il n'y a pas que les prérequis, mais les conditions d'apprentissage. C'est-à-dire Talib, par exemple, quel est quoi dans ce, c'est-à-dire dans un état, il n'est pas prêt pour on va dire être un récepteur. Donc ce qui fait moi personnellement je sais pas, peut-être avec l'expérience ou là je sais pas comment expliquer ça, mais ça m'arrive de scanner les visages des étudiants facilement, c'est-à-dire globalement c'est un peu le, j'ai avec le feedback en fait le scanner et je sais pas. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et en fait, ça m'arrive justement de voir c'est-à-dire de scanner la situation et de savoir à un moment donné, peut-être il faudrait peut-être, voilà, tu casses avec le rythme ديال لو سيريو. بون سا سي ميم سا جو ما كان ماشي شي حاجه كتخلق زعما سي فريمون ناتوريل يعني سا فيان تو سول. دونك اي او ميم طون ديما كندير في البال واحد الحاجه سي كو كون جيكسبليك ديما في بالي راه واحد الحاجه ديجا كجي ديجا اكسبليكي اوبارافون يعني ميم سي جلي ديجا اكسبليكي جو مو دي با فوالا تو الموند كوني سا. Mais à chaque fois, j'en profite pour glisser. Par exemple, si vous vous rappelez, dès que le mariage, j'avais parlé de... Anna, en fait, Anna, je sais qu'il y en a ceux qui... par cœur. Je sais également que qui ont dû rater avec la chose. Bon, j'essaie un petit peu de la faire sortir. Ben, effectivement. C'est toujours, il y a toujours des étudiants qui essaient, on essaie d'embarquer tout le monde, yani, tout le monde s'accroche. Hein. C'est un peu, yani, il faut pousser tout le monde à s'accrocher, même si parfois, tu vois, c'est-à-dire, on va dire, il atteint sa limite, mais tu lui donnes toujours avec l'espoir. Avec l'espoir, c'est-à-dire, bah, tout est facile. Mais effectivement, c'est-à-dire, tout est simple. Il y a de prendre la chose dans le bon endroit, bah, on trouvera que finalement, que c'est très simple de maîtriser les choses. Et ouais, le domaine de l'éducation, peut-être, ben, je ne sais pas, c'est une thématique à l'université, c'est ça Oui, radin de l'université. Mais effectivement, le système de l'éducation, Kane, le Hajel est un peu, c'est une question de parfois, yani, avec Talib, peut-être la situation d'apprentissage, peut-être le Oustad, les peut-être, yani, ma femme Chemzian, ou là, peut-être, il n'a pas fait l'effort, ou là, peut-être, Kane, un blocage, je ne sais pas. Il dit quoi donc, et c'est tellement, des choses incroyables. Par exemple, un complexe, je ne sais pas, là, les bases de données relationnelles. C'est quelque chose de simple, c'est la chose la plus simple, même que l'on peut vraiment. Rien qu'à les bases de données, qu'on t'a
وي وانت شوف دابا راه هو كيقول لك انا بون جو بروغرام سميتو ولكن كنقول لها جيجي بس سي بلي سي دي بلوكاج بسيكولوجيك يعني علاش لان الوقت اللي بوتيت كيل دوفري افوار سا il l'a prise du mauvais côté et du coup n'a pas su s'en sortir. Et effectivement, moi j'en profite à un moment donné que j'ai dans un exemple, tu expliques les choses d'une manière un peu plus pédagogique et les gens découvrent finalement que ce n'était pas aussi compliqué que ça. Et bon, c'est juste... Ok. Je crois que c'est... Moi, by the way, les commentaires qui commentent les challenges de Mara qui est hiyuk. Je vais te laisser cette vidéo, donc tu as besoin de savoir ce que c'est. Donc, je crois que c'est Sophia, je vais continuer la partie tsania, je vais continuer à être interactif. La partie de l'Oulah Oudina, c'est Mohamed Allah, le parcours d'Yalou. C'est Sophia. Je crois que c'est Yusuf. La... الاسئله اللي باقي عندي شي اسئله تقدر تحطهم في الكومونتير في نهايه الحلقه غادي نطرحهم. وصلنا دابا الفقره الثانيه اللي غنهضروا فيها على الدراسه في المجال في السلك الجامعي وبغينا نعرفوا الاراء ديالكم حتى نتوما المتتبعين ديالنا ديال جيكس بلا بلا. نطرحوا اول سؤال على الاستاذ يوسفي اللي كيقول كيفاش كتشوف النظام التعليمي في الجامعه حاليا خصوصا في المجال التقني l'évaluation de le système. Bon, alors Hadi, c'est, on va dire, c'est une grande question, Alan. Donc, Anna Libretongoud, ou Anna Alif Talim Jamiri, c'est Fahama, et particulièrement Alif l'enseignement technique. Il faut avoir Saint-Gaulois. Il y a une évolution. Il y a des choses positives, yani des indicateurs positifs. Les on a, yani fait la dernière décennie, il y a des choses qui sont bien faites. Il y a une évolution qu'on peut voir. Ou a dit que l'évolution, yani ça, yani on peut la palper, notamment dans le domaine de la création des filières, c'est-à-dire d'ingénieurs, etc. Donc il y a quand même le paysage. Maintenant, il y a les ENSA, il y a quand même beaucoup d'écoles d'ingénieurs, notamment dans le domaine de l'informatique. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc, il y a un effort qui a été fait d'abord au niveau de, il y a une de politique au niveau de l'État, au niveau, de, c'est-à-dire pour pouvoir, il y a une donner plus de possibilités d'améliorer, on va dire, l'offre pédagogique au niveau de l'université. Kane, faut le dire. Kane, voir l'évolution. C'est que, alors maintenant, mais il y a un défi. Il y a quelque chose qui ne, il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Ça me fait plaisir de parfois rencontrer des responsables, on va dire, politiques et des responsables d'université, c'est-à-dire, qui ont cette, c'est-à-dire, c'est pas la volonté qui manque. Ils veulent faire avancer, c'est-à-dire la volonté, c'est-à-dire la volonté au niveau même des dirigeants. Parfois, il y a de la volonté. J'ai des amis, j'ai des collègues, des directeurs. Par exemple, mon cher ami Sibouatan Omar, le directeur de l'INSET, c'est un grand ami, c'est un grand frère. Il est maintenant directeur, mais depuis, il est comme moi. C'est-à-dire depuis qu'il est enseignant, il ne cherchait que à faire améliorer les choses, etc. Donc, quand on va vers la présidente de l'université Hassan de Casablanca, la même chose. La présidente, c'est une ancienne collègue qui propose des idées qui sont, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est très 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 impressionnante. On veut bien pousser les choses. Et Annie, donc ça, il faut le dire. Donc, quelle est la volonté? غير هو وكاين واحد لو ديفي كي نوز اتون بوكو باسكو دابا لانسينيمون على لونيفرسيتي حنا كنستادمو بواحد اون دير واحد لا كونتراديكسيون. اشنا هاد لا كونتراديكسيون؟ سي كو عندنا يا اون ديفيرونس دابور دون لانسينيمون دون مانيير جينيرال او نيفو دو بريمير اي دو ليسي. هذا سي ان بروبليم. يعني كانت واحد كانوا اخطاء
il faut le dire, dans nos réformes, qui font que aujourd'hui nous avons l'enseignement public surtout, c'est que nous avons beaucoup de beaucoup de des ingénieurs qui ont des capacités énormes, mais on va dire des complexes de langue, par exemple prenez par exemple la langue française, d'un côté, enfin la langue française, parce que c'est une langue qui est utilisée dans l'enseignement, de nos universités, nous on enseigne en français dans nos universités, dans nos domaines techniques, donc, mais il y a quelque chose de raté qui fait que la langue française, il leur échappe, sincèrement. À tel point que maintenant, ça me fait plaisir aussi, que la nouvelle génération, ils maîtrisent plus l'anglais que le français. Ils préfèrent plus l'anglais que le français. Et ce n'est pas parce que peut-être ils ont fait le choix. Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais c'est parce que dans le système éducatif, il y a du raté. Il y a du raté qui fait qu'à un moment donné, nos étudiants n'étaient pas bien formés pour maîtriser les langues. Donc, ça, c'est d'un côté. Alors maintenant, le domaine de l'informatique. Anna, je le dis souvent, c'est très important. C'est que le Maroc, il a des capacités énormes. Le Maroc a une grande opportunité. Je parle au Maroc, mais c'est la même chose pour les autres pays. À jouer dans le domaine de l'ingénierie logicielle. C'est un domaine, là, on peut vraiment devenir une force d'exportation du logiciel à l'étranger. C'est-à-dire, on peut, à l'image de d'autres pays qui ont fait ça, et ça, on peut le faire. Il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a des réformes, il y a des choses qui devraient être notamment repensées. Parce que dans l'ingénierie logicielle, vous savez, si je prends mon stylo, malheureusement, je ne vais pas le faire maintenant. Je vais commencer à dessiner des choses un peu bizarres. mais il se trouve qu'il y a quelque chose de très important dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Il y a le socle. Parce qu'en fait, l'ingénierie logicielle, les traitements et les données. Il y a l'algorithmique, programmation, la matière qui est très très importante. Normalement, c'est une matière qui devrait se faire pour tout le monde dans l'enseignement universitaire. J'imagine par exemple dans l'enseignement, avec l'algorithmique et programmation, c'est un module qui devrait se faire pratiquement dans toutes les filières, dans le bac plus 2, et la fac par exemple, dans les licences fondamentales, les Waycon vraiment un module qui m'a guidé dans les filières d'ingénieurs, et c'est comme si vous enseignez la langue maternelle. Peut-être même il va falloir que nous commencions à partir du lycée ou là je sais pas quoi. Et en tout cas, il y a une évolution dans ce sens. Ce qui fait, il faudrait même si peut-être tous les enseignants qui peuvent faire les choses dans toutes les facultés, etc., qui peuvent faire ça. Mais Nisbalier, c'est un module fondamental qui m'a qu'à dire les mathématiques, parce que les mathématiques, c'est très important dans le domaine de l'informatique. Et bien, tout simplement, les fondamentaux de l'ingénierie logicielle, ils doivent être faits vraiment avec lesquels dire la médecine ou avec lesquels dire la biologie ou celui qui fait la chimie, celui qui fait l'informatique, mais ça c'est quelque chose qui devrait se faire. La culture, il faut que ça soit fait d'une manière fondamentale. Ou talaba généralement, vous savez, même à la faculté, parce que je parle de la faculté, parce que ça on oublie souvent, c'est que la grande masse des étudiants, parce que il y a les écoles d'ingénieurs, c'est vrai, parce que dans les écoles d'ingénieurs vous avez quand même un public limité, mais il y a une grande masse dans les facultés qui sont vraiment perdues. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'étudiants qui passent beaucoup de temps à la fac à un moment donné, il y a beaucoup d'abandon, c'est là, je trouve qu'il y a beaucoup de malheur. Alors que
Donc, avec le cursus, on peut faire, il y a des choses, il y a des choses qu'on peut faire. L'idée, c'est-à-dire, le domaine, par exemple, l'algorithmique, l'intelligence artificielle, l'algorithmique, programmation, mathématiques, intelligence artificielle, ça, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, oui, après, par la suite, on va voir que dans les écoles d'ingénieurs, on aura vraiment, c'est-à-dire une capacité, c'est-à-dire des gens qui trouvent vraiment les fondamentaux. Là, je vais vous dire la chose qui est très importante. Vous savez, par exemple, pour accéder à l'INSET, il faut passer un concours. Et dans le concours, il y a deux matières pour accéder aux filières d'ingénieurs. Les mathématiques et l'algorithmique, programmation. C'est un peu... Et c'est là où il y a on va dire le, c'est là où ça blesse. C'est-à-dire, ça nous arrive de former des ingénieurs, ou qui partent sur parfois, il y a des ratés les fondamentaux. On n'a pas vraiment préparé, c'est-à-dire les ingénieurs pour aller plus loin dans le métier. Parce que pour moi, dans le domaine de l'ingénierie logicielle, il faut pas s'arrêter uniquement sur c'est étudier aux gens à utiliser des frameworks pour développer des applications web et mobiles. Parce que ça c'est quelque chose qu'on peut on a les moyens de faire ça et on a les moyens de former beaucoup de gens qui peuvent développer, qui peuvent travailler dans ce domaine. Mais un apport moi dans le domaine de l'ingénierie logicielle pour produire des logiciels, c'est-à-dire nos ingénieurs dans le futur. Ils doivent, en tant qu'ingénieurs, ils doivent être déjà capables de produire de nouvelles solutions logicielles, de nouveaux frameworks, de nouvelles applications innovantes qui peuvent être utilisées dans d'autres à l'étranger, c'est-à-dire il faut exporter. C'est à nous de créer de nouveaux frameworks, c'est à nous de créer de nouveaux middleware, c'est à nous de créer de nouveaux algorithmes. Qui permettent de résoudre des problèmes de paiement électronique, de sécurité, des choses comme ça. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive, notre formation d'ingénieur, c'est que quand je suis dans la dernière année d'ingénieur, c'est que l'ingénieur, ça y est, ce n'est plus le. Il est dans un état où il commence à innover. C'est vraiment l'innovation. Et non pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive, il fait ses pas dans l'entreprise. Et après, il est noyé dans les aspects techniques on va dire, des développements, des frameworks, etc. Donc voilà. Alors, Nisbeliana, bon, il y a en fait dans le, il y a des choses qui sont, qui là, il y a une évolution. Le grand malheur que nous vivons, en fait, il faut le dire, c'est que nous sommes dans un domaine, en fait, il n'y a pas que l'éducation, c'est que tout le monde est débordé. Ah, c'est incroyable. Là, tout le monde est débordé. C'est-à-dire, c'est pas que les gens ne veulent pas faire ou là. Là, c'est incroyable. C'est-à-dire que l'organisation, il est faite, c'est vrai. Parfois, peut-être, il y a manque d'enseignants. Parfois, il y a manque de personnel administratif. Ce qui fait que parfois, les gens, mais croyez-moi que les gens, ils font le maximum d'eux-mêmes pour que ça marche. Mais après, ça marche, enfin, ça marche, c'est-à-dire pour que ça, pour éviter que ça marche pas, mais c'est-à-dire, on fait un peu ce qu'il faut pour, mais les gens, ils sont débordés de façon à ce qu'on ne laisse pas et annuler les projets, les humains dans lesquels on passe beaucoup de temps à repenser à court terme, à moyen terme, pour préparer des générations. Malheureusement, les projets, c'est rare. Et là, je l'ai rien dans un mois, ça y est, il faut faire ça, etc. Dans 2 mois, le dernier deadline d'accréditation des filières. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, on est dans c'est-à-dire dans la manière, la planification, on n'a pas de la planification à moyen terme.
La planification, elle est vraiment, vraiment, on va dire, court terme. Donc, quand on est dans de la planification court terme, on gère les problèmes au quotidien. Non, vraiment les problèmes au quotidien, c'est-à-dire, alors tu sais, on a les Marocains, où on a, ça va vraiment qu'un égal, c'est-à-dire le monde éducatif, depuis par exemple la situation du Covid, c'est que il y a une agilité incroyable. C'est que les gens, c'est que la première semaine, c'est vrai, les gens ne savaient pas ce que c'est Google Meet, ne savaient pas ce que c'est les outils de visioconférence, Zoom, etc. Et ils savaient pas c'est quoi une tablette graphique, ils savaient pas, ils savaient pas. Donc, mais bon, la situation, c'est que fait les gens, ils ont réagi. Et vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'habitude d'utiliser un ordinateur, ben du coup, ils se sont retrouvés obligés finalement d'utiliser un ordinateur pour faire son cours à distance, etc. Et donc, ce qui fait les gens, c'est comme ça l'enseignement, c'est que les gens, ils essaient de donner le mieux d'eux-mêmes dans une organisation qui manque de planification à moyen terme. Yani, on a vraiment aussi de la planification court terme. C'est-à-dire que, yani, on planifie vraiment de mieux qu'on peut, mais il y a toujours. Non, avec quel exemple? Alors, c'est un peu la meilleure façon de gérer un peu les institutions, c'est d'automatiser, c'est un peu de mettre en place des manuels de procédure. C'est toujours ça, c'est des cours des systèmes d'information. C'est le manuel des procédures, c'est que dans n'importe quelle institution, que ce soit les universités, les établissements, le ministère, il faut mettre en place un manuel de procédure. Moi, je veux faire quelque chose, j'ai une procédure, je dois savoir quels sont les différentes workflows, c'est les différentes choses que je dois suivre, et à qui je dois affaire pour faire ça. Mais Hachim, il n'est pas encore fait au Maroc. Et au head les manuels de procédure, s'ensuit l'informatisation. Alors, si on n'est pas dans une organisation qui est informatisée à 100%, et bien tout simplement, on patauge, on perd beaucoup de temps. Tout le monde utilise des fichiers, des dupliqués, les données, peut-être, il a fait un effort pour faire des choses. Il y a un autre qui refait la même chose, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu le. C'est à l'image à l'image des problèmes d'informatisation. Alors, donc, Anamnis Belia, pour l'enseignement, Kenin, en résumé, bon, il y avait des erreurs au niveau des réformes. C'est que les réformes, c'est que. On a toujours voulu un peu les responsables seront, je sais pas, au niveau politique. C'est qu'on a toujours un problème, c'est que on veut, voilà, bon, il y a un gouvernement qui arrive, et il veut marquer c'est-à-dire sa présence. Et pour marquer sa présence, donc il faut faire des réformes. Et ces réformes-là, parce que il faut que peut-être à un moment donné qu'on dise, voilà, il a réformé, il a changé des choses. Mais dans les réformes, ça se fait tellement très vite. Ils sont pas très bien planifiés, très bien repensés, et du coup, ça donne parfois des drames. Bah, des drames, c'est-à-dire le système éducatif. Et vraiment, on a reculé, fait pas mal de choses dans l'enseignement. C'est tout simplement parce que réforme, on réforme, on réforme. Alors que l'éducation et la santé, principalement, parce que ce sont deux choses très importantes, le domaine de l'éducation et la santé. C'est vraiment ces deux domaines qui ont besoin, c'est-à-dire on n'a pas besoin de 50 réformes, on a besoin d'une seule réforme et cette réforme, elle doit être bien repensée, elle doit être bien planifiée, prendre tout son temps pour qu'elle soit mise en place, mais une fois qu'elle est mise en place, on met quelque chose avec les moyens qu'il faut pour partir vraiment c'est-à-dire prendre le bon chemin. Alors malheureusement, peut-être c'est ce qui va se passer dans le futur, en tout cas on l'espère pour notre pays, mais c'est pas quelque chose qui est fait. C'est pas comme ça qu'on a fait la chose. C'est que on a beaucoup de petites réformes qui font que il y a de bonnes choses faites, mais il y a des bonnes qui masquent y a de mauvaises qui masquent les bonnes, etc. Donc voilà. Donc ça c'est un peu une première lecture. Je sais pas. Si vous avez d'autres questions à ce niveau-là.
شكرا بزاف، استمتعنا بواحد نظرة من الداخل واللي اكتشفنا فيها شحال من حاجة كنعتقد الأغلبية ما كيعرفهاش، وهذا كيطرح واحد الإشكال ديال التواصل اللي عندنا كتنعرفوا في كاع المؤسسات العمومية ولا الأغلبية المؤسسات العمومية ما كاينش فيها واحد التواصل، ما كتهضرش على المشاكل ديالها، ما كتبارطاجيش المشاكل الداخلية، حيت حتى واحد ما كرهش أن يكون نظام قاد ولكن الناس كيديروا الجهد ديالهم، مي ما كاينش تواصل اللي يوريك هذا الشيء. ديكو شكرا بزاف على هذه النظرة الشاملة اللي جات من الداخل. السؤال اللي كيطرح نفسه بعد ما درنا على هذا النظام واللي فيه مشاكل أردنا أو كرهنا كاين هذه المشاكل وكيعاني منه يعاني منه الطلبة وكيعانوا منه الأساتذة وكيعانوا منه من المجتمع والمغرب كدولة، كيطرح واحد السؤال اللي هو الشهادة الجامعية خصوصا في المجال التقني. واش الشهادة الجامعية شي حاجة اللي مهمة؟ تلقاو بزاف ديال تلقاو جوج اطراف كاين اللي كيقول لك بلي ان الشهاده الجامعيه ماشي مهمه، نمشي نقرا اونلاين ونكون راسي ونولي مزيان، خصوصا ان عدد الشركات دابا مابقاش كيفرضوا، ليس واحد العدد صغير شويه من الشركات مابقاش كيفرضوا الشهادات كليولوج في الاي تي. السؤال هو واش في نظرك الشهاده مهمه لواحد الطالب في المجال التقني او لا وعلاش؟ وكنشكرك بزاف السي سفيان على هذا السؤال، لان ايفيكتيفمون راه هضرتي على داك على لي شوز سور ليكيل جو سوي اون تران دو بونسي. فعلا سي كو دون لو دومين تكنيك الوغ سا فو لو سافي سي كو اون برينسيپ بارتو فلو موند سي كو جينيرالمون اون فيت كيس كي كاين واحد الحاجه اللي بوتيتغ ما يقدرش شي واحد يحيدها لك، سي لا كومبيتونس. يعني راه سميتو تي بو بوتيتغ يعني تي بو ne pas avoir la chance dans la vie. تي بو بوتيتغ تي مال شانسو باسكو تي طومبي دون لو موفي اندرو في لو موفي مومون ايتترا او لا تي نا با سويفي ايتترا بون سي تادير يا مي بار كونتر فهاد تو سا اي واحد الحاجه اللي ما يقدر حتى شي واحد يحيد لك هو هي لا كومبيتونس. الوغ دونك سو كي في دونك ايفيكتيفمون هاد هاد لو موند ايكونوميك ماتنون الى بوكو شانجي اي ميم لو يعني لي فونكسيون بوبليك باسكو في لو فيتور باسكو دايور هاد لي شوز كومون ايل ايفولو سي كو دون لو فيتور ايفيكتيفمون سو كي فا بريمي c'est dans, déjà dans le présent. Ben, ce qui prime, c'est la compétence et non pas le diplôme. Ça, c'est une certitude. C'est que si j'ai la compétence, je peux aller là où je veux et je peux faire valoir ma compétence. Alors, maintenant, d'abord, c'est une certitude. C'est-à-dire, un diplôme sans compétence n'a aucun intérêt. Lèche, surtout dans le domaine technique. Il y a des ingénieurs qui arrivent, ça on le sait. Alors on a des étudiants qui passent, etc., qui font leur cursus, qui savent passer leur examen, etc., et qui partent avec des diplômes. Mais tu vois que le diplôme, c'est un ingénieur dans le domaine de télécom ou de l'ingénierie logicielle. Mais tu sais très bien que lui n'a pas ce métier, c'est-à-dire on sait que avec la compétence n'est pas là. Ou malheureusement, ce qui arrive, c'est-à-dire les ingénieurs, c'est-à-dire ce qui arrive, c'est-à-dire aux gens qui ont un diplôme mais qui n'ont pas la maîtrise du métier, c'est que ça va être la contradiction. Je suis fier d'avoir le shahada qui m'a dit, ou avec une fois le temps, yani diplôme. Il peut me permettre d'accéder à une fonction, parce que parfois il suffit de faire un bon entretien dans une entreprise. Avec ton diplôme, tu accèdes, tu travailles. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que quand tu passes ton poste une année, ou de la 6 mois, ou de la 4 mois, 6 mois, 7 ans, etc., ben, qu'est-ce que tu deviens ? Yani, en fin de compte. Alors, si tu as une capacité, c'est ta compétence qui va primer. C'est-à-dire, si ta compétence est là,
Ben, au bout d'une année, 2 années, tu vas évoluer, c'est-à-dire tu peux passer beaucoup de stades dans ta vie. Alors que, en fait, avec un diplôme, tu peux rester stagné dans un poste et peut-être même, au bout de 6 mois, tu seras contraint à changer ton travail. Après, dans une autre entreprise, tu passes une année, tu changes d'entreprise. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on veut passer aux choses sérieuses, parce que j'en connais beaucoup de. C'est-à-dire, je connais quand même des cas comme ça. C'est-à-dire, à chaque fois dans son métier, qu'on arrive aux choses sérieuses, on découvre que finalement, on est mal armé. Je suis dans ce domaine, mais je ne suis pas bien armé pour affronter ça. Et après, ça commence à changer c'est-à-dire peut-être de structure. C'est là où on fait l'intelligence de l'individu. C'est qu'à un moment donné, voilà, j'apprécie beaucoup. On donne un diplôme d'ingénieur, par exemple, l'ingénieur logiciel, là, pour moi, d'abord, c'est un ingénieur. Il y a un ingénieur, ou là, un technicien, ou là, quelqu'un qui a un master, ou là, quelqu'un qui a un BTS, ou là, un DUT, ou là, etc. Donc, un doit le diplôme. Voilà, une fois qu'il est diplômé, qu'il s'apprête à aller vers le monde professionnel, donc, il doit connaître ses capacités. C'est-à-dire, à un moment donné, il va se dire, moi, en fait, maintenant, je connais mes capacités, ça, c'est pas mon truc, je veux pas m'investir dans le domaine, mais par contre, je sens que la chose à dire, je vais m'investir, je vais donner plus de temps et je vais donner plus d'investissement et je vais m'orienter dans ce domaine-là. Et généralement, quand vous êtes vraiment fixé, croyez-moi que souvent, il y en a ceux qui arrivent à s'en sortir très bien, même si peut-être ils ont dû rater leur cursus de formation de base. Il y en a parfois qui ont le diplôme front, voilà quel le métier que tu exerces, et il y en a ta compétence, tu l'as retrouvée dans d'autres, peut-être, créneaux. Et ce qui pousse parfois les gens qui sont en entreprise à refaire. Bon, et ça, c'est ça, je. Yanni, c'est quelque chose d'important que maintenant, Yanni, nous avons des formations continues qu'on fait, des diplômes de formation continue, c'est des formations diplômantes, mais croyez-moi, c'est que dans les diplômes de formation continue, des masters par exemple, qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le domaine professionnel et qui sont, c'est-à-dire qui viennent finalement, c'est pour être formés, ce n'est pas pour avoir le diplôme. C'est-à-dire dans le sens, finalement, c'est là on sent vraiment que les choses sont. C'est que les gens qui viennent du domaine professionnel, ils viennent pour être formés parce qu'ils savent vraiment ce qu'ils cherchent. Et bien sûr, le diplôme, c'est quelque chose c'est-à-dire de symbolique qui permet juste de certifier comme quoi vous avez fait telle formation. Mais c'est un peu ça la différence entre peut-être il y a les formations continues et les formations initiales, parce que dans le monde académique, on est trop académique dans notre système éducatif, malheureusement. C'est-à-dire, il y a tellement beaucoup de matières, il y a tellement beaucoup de choses qu'on veut enseigner aux étudiants, et les étudiants, ils ne font que gérer. À gérer, c'est le maximum dans notre FAD, etc. Donc, ce qui fait, finalement, l'étudiant, ses efforts, ils sont dispersés c'est-à-dire, ils sont dispersés de façon à ce que, au lieu d'aller développer, c'est-à-dire le métier vraiment sur lequel il travaille, il passe beaucoup de temps, par malchance, il peut avoir un enseignant, peut-être d'une matière, peut-être qui va pas trop lui servir et qui va peut-être lui consommer le plus de temps, hein. Pourquoi? Parce que vous savez que quand les enseignants parfois sont exigeants, ils donnent beaucoup de travail aux étudiants. L'étudiant, lui, de toute façon, il est obligé de suivre. Parce que. Mais ce qui arrive, c'est que globalement, c'est dans notre système éducatif, l'architecture des formations qu'on fait, et peut-être ça, c'est l'une des choses qu'il faut changer dans le futur. Dans un semestre, il y a 6 modules, il y a 8 modules, et dans le module, il y a telle heure, il y a, etc. L'organisation comme ça, il fait que, on piège les gens.
تقول له في السيمستر يكون باغ اكزومبل موديل مي اون دو افوار دو موديل كي سون دوردر سيانتيفيك دو موديل كي سون دوردر اون فادير سو اوتي دو موديل دونك هاد لاركيتيكتور تيل كي لي بوزي كوم سا اي بي تو سامبلومون ا ان مومون دوني c'est quand même parfois de quelque part c'est un gâchis, c'est-à-dire on a le diplôme à la fin mais on peut faire mieux. Yani vraiment on peut faire mieux, c'est-à-dire alors nisba lianer le diplôme il est important ولكن à condition qu'il sorte yani qu'il sorte avec هذيك la compétence qui justifie avec le diplôme. C'est quelque chose d'important. Mais après, c'est une certitude, c'est qu'une fois que vous êtes dans le domaine professionnel, votre diplôme, vous l'oubliez. Vous pouvez le... Il y a même des amis que je connais au Canada, ou, je ne sais pas, qui m'ont raconté. Parfois, ils m'ont dit, enfin, ça fait longtemps, ils m'ont dit que le diplôme qu'ils ont eu, on ne l'aura jamais demandé. C'est-à-dire... même dans le domaine à chiffre public, imaginez, c'est-à-dire c'est dans des universités publiques, etc. C'est-à-dire que finalement, les gens, tu as un CV, tu démontres ton CV, tu as une compétence, il faut la démontrer sur le terrain. C'est ça, c'est le plus important. Alors maintenant, avec le CV, c'est pas l'équivalent, le système académique, j'ai validé tel module, j'ai validé ça et ça, mais tu as de l'expérience. Alors, dans ton CV, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Et alors, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie professionnelle? Il y a le domaine académique, mais il y a des choses, il y a des réalisations. Je ne parle pas uniquement dans ton métier, mais le fait de travailler dans des associations, le fait de faire un boulot de, je sais pas, de, etc. C'est ça le CV d'un étudiant. Est-ce que tu as une pratique dans le domaine de la culture? Est-ce que tu as une pratique? Il faut vraiment travailler sa personnalité. Il faut pas tomber dans le piège. Nos étudiants, nos ingénieurs, ou là, nos futurs techniciens, ils doivent pas tomber dans le piège d'elle avec le cursus. Oui, je sais que j'ai 4 ans, ou la 3 années, ou la 5 années d'études. Avec les 5 années, alors je dois travailler ma personnalité. Je dois travailler sur beaucoup de flancs. Il n'y a pas que la compétence technique, elle est très importante. Il faut lui donner beaucoup d'importance. Mais il y a les soft skills, il y a la culture, il y a le monde associatif, il y a beaucoup de choses qui sont très 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 importantes et qu'il faut développer, parce que une fois que vous avez développé votre personnalité, mais croyez-moi que à un moment donné c'est ce qui fait la différence dans le domaine professionnel, parce que souvent le diplôme c'est un point d'entrée, mais après dans le domaine professionnel vous avez donc le avec le mix entre la maîtrise technique du métier et les soft skills. Donc et après bon, généralement si vous avez un équilibre dans ça, souvent c'est quelque chose qui marche bien. شكرا بزاف. كي قلتي شاعر او كومبيتونس احسن ديزون. لا 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 فهم بزاف. وكي قلتي ديبلوم بلس كومبيتونس هي احسن كومبينيزون ممكن انها تكون. انا غنقول الراي الشخصي في هذه القضيه. كنت قرينا بزاف تاع الحوايج. انا كنت درت سيلك مهندس حتى انايا، ولكن عموما ماستر ولا سيلك مهندس بحال بحال. فتتقرا شي حوايج اللي ما كتعرف قيمتهم حتى لواحد الوقيته، كتسمع في واحد لو دومين اللي انت قريتي عليه ان موديول، كتسمع حاجه في واحد الكونتكست وكتخلو اللي عندك ميم كينفعك شي حاجه اللي مهمه في شي ان بروجي ولا في شي ديسكوسيون ولا في ريونيون، كل شي حاجه منهم مهمه بزاف. وي كيما قال كيلونسيك مي لو ريست خصك ديرو، ولا كومبيتونس تبنيها بيديك، ديكو القرايه ولا اللي تعطيك واحد العدد ديال واحد الباجاج، مي انت اللي خصك دير الفينيسيون ديال داكشي اللي قريتي باش تولي عندك واحد الكومبيتونس اللي تاهلك باش انك تكون في المارشي. اي دابا وصلنا واحد
غندوز عند يوسف اللي غادي يكمل باقي الحلقه، باقي واحد دو كيسيون اي اسئله ديال الناس اللي معنا. من جهتي كنشكرك سي محمد اليوسفي على الحضور ديالنا ديالك في البرنامج ديالنا. ندوز الكلمه ليوسف. اوكي يوسف سفيان، دونك انا كنشكرك بزاف وسما امبرسيوني الصراحه زعما دونك الطريقه باش كت يعني باش كتطرح الاسئله و يبقى سا بروف صراحه لا انت ولا يوسف ولا لي زوتر دايور سي لوكازيون دو فيليسيتي لو جروب دي دي اف سي و وهاد ليميسيون ديالكم زعما كو فيت سي سي كيك شوز جو فوز انكوراج سانسيرمون. يعني هذه هي بور موا سا سي l'intelligence humaine, c'est-à-dire c'est un peu vous êtes encore jeune يعني vous avez واحد la dynamique راه l'énergie اللي عند لي جون nous croyez زعما راه c'est incroyable راه c'est que quand à un moment donné c'est vrai que quand on grandit dans l'âge c'est que on commence à avoir un peu plus de recul, ça c'est l'avantage ولكن كتمشي هذيك l'énergie donc vous voyez donc un peu pourquoi on a besoin en fait de la jeunesse, de l'explosivité de la jeunesse parce que c'est un peu, mais on a besoin en fait de des gens, des managers qui ont un peu plus de recul, qui ont un peu une vision un peu plus stratégique. Donc bon, ça c'est naturel. En tout cas, Hani Andlek, Ari. Donc ok. شكرا بزاف. شكرا سيد يوسف، غادي نحاول نسولك اسئله اللي هما فهمتي الجواب ديالهم في ساعه الجواب. بديت ذكرتي القضيه ديال لا لونغ باش كتقرا زعما الانفورماتيك فريمون، هذا واحد ديبا كيكون ما بين كشاسوا حنا فاش كنتلاقاو انا في كيكس بلا بلا ولا مع لي جيديون اللي مثلا كيقراو على واش الانفورماتيك خصها تقرا بلونغلي ولا بالفرنسي. دابا سيد يوسف اجابه صغيره، معاش هو واش معنا تقرا بالفرنسي ولا نقدروا نقلبوها اونغلي؟ و انا بيرسونيلمون جو سوي بور انسيني ان اونغلي داكور و غير بور فو دير باش نقول لكم واحد الحاجه. دونك انا بالنسبه ليا غير حنا لا جينيراسيون ديالنا باسكو فيت لا جينيراسيون ديالنا بون شنو وقع. انا بيرسونيلمون انا نهضر على لا يعني حالة c'est un peu très difficile à comprendre parce qu'on fait mot dans mon village là où je vivais en tant que gamin من l'âge ديال واحد tel 7 ans ياك tel 7 ans tel l'âge de 7 ans كنت كنهضر غير شلحه عارفين لو لونغاج ماشين ما كاينش pour vous dire يعني vraiment tu t'exprimes si tu veux t'exprimer bon en ton langage machine il est comme ça dans le ou بالنسبه لنا العربيه déjà bon يعني باش تعرف parce qu'en fait le Maroc c'est comme ça parce qu'il y a beaucoup quand même il y a beaucoup de كاينس الناس زعما لي كولتور الريف الامازيغ زعما تبارك الله سي il y a une richesse incroyable donc tel l'âge de 7 ans c'était ça ou بالنسبه لي انا l'arabie, la langue de arabe qui est une langue que j'admire beaucoup. La langue, bon, on a qu'un arabe fait jamais. Car sinon, le Walid, il est corrompu. Allah yarhamou, yarham le Walid et Taïa. C'est que c'est sacré. Notre histoire, c'est que le Coran, c'est que tu apprends. Il dit vraiment ce que tu connais. On a qu'un chose jamais. وكنقراو القران وفعلا كنا كنحفظوا ولكن ما كنا كنفهموا حتى حاجه فريمون كتفهم حافظ القران ولكن ما فاهمش في كي شوز دونك غير بور تو دير دونك سو كي في انا بالنسبه لنا حنا كون مشيت ليكول على لاج دو 7 ans سي كو اشنو كاين بون على لاج دو 7 ans كتلقى المعلم كيبقى يهضر معك بالعربيه ديجا سيتادير سي لا هونت انك تهضر في شلحه في يعني tu vois déjà culturellement il y avait un problème واحد الكومبلكس tu l'as vécu dans ta vie donc tu es obligé انك تقدر الاستاذ كيهضر معك بالعربيه و كت tu fais l'effort و donc ce qui fait في
لا دوزيام العربية في يعني بريمير، تاني تالت، لا تخوازيام، لا تخوازيام ديال سميتو كيبداو الفرنسي يعني في البريمير، يعني تال السنة التالتة في البريمير كيبدا الفرنسي. اكزاكتومون. دونك انت شوف شنو كيوقع دابا. دونك هنا سميتو الفرنسي، اي انت ديجا بون عندك ديجا دون تا كولتور كي خصك العربية. Il y a une coupure assez, Youssef, c'est bon, vous me recevez? كان غير واحد الكوبير صغير ولكن راك جاتي. جي ان تيليفون كي ديرونج. دونك كيما قلت لك فوالا، دونك كاين هاد لي في. دونك سو كي في، دونك بدينا الفرنسي معطل شويه، باش ما بديتي ايرلاند معطل، يعني بلوس تي لا في دون لا ماتوريتي، الا لاحظتي واحد الحاجه. دونك سو كي في هذيك ا مومون دوني كنا كتقراو لي ماتيماتيك الفرنسيه، يعني انا في ان بو يعني لو سيستيم فرونسي ا مومون دوني. يعني جوج حوايج ابخي لو كوليج سي باغي. دونك جوج حوايج اللي كنا كنقراو يعني بالعربيه كانت اللغه العربيه والاجتماعيات، يعني لي سورجيو. دونك مي ا بار سا كلشي كنا كنقراو بالفرونسي. داكور. دونك سو كي في دونك اون يعني كانت عندنا يعني لا ماتيير سي كو لا لونغ فرونسيز اللي تي براتيكي كورامون زعما دون نوتر ايدوكاسيون. من الكوليج انا كنهضر معاك دابا، يعني من الكوليج سي تي نوتر سي تادير نوتر جينيراسيون. لونغلي اون با لونغلي كاع ما كانش زعما سي با لا ميم شوز كو، يعني ما كانش كاع في القاموس. يعني حتى كتوصل لليسي اون كومونسي افير ان بو دونغلي. Où il se trouvait que, moi personnellement, parce que j'aimais beaucoup la musique, en fait, yani je pratiquais la musique, etc. J'étais, bon, tu sais, bon, à un moment donné, pour apprendre les chansons en anglais, etc. Donc, il fallait. Donc, à Namnis Valier, j'ai fait l'effort, le lycée. Yani j'étais, on va dire, j'étais très bon en anglais, le lycée. Yani j'avais développé mon niveau en anglais, le lycée. Après, ce qui est arrivé, c'est que dans l'enseignement supérieur, après, par la suite, bon, s'il n'y a que du français, c'est que l'anglais, en quelque sorte, la génération vienne l'anglais, même ceux qui ont fait l'effort comme moi, par exemple, de connaître bien l'anglais, de maîtriser bien la langue, dans ses bases de la grammaire, mais qu'on n'a pas beaucoup pratiqué oralement, c'est que donc on a perdu, donc la pratique de la langue anglaise, l'enseignement supérieur. Quand on faisait la recherche, après on se retrouve que finalement pour faire des publications, il faut les faire en anglais. Pour présenter dans des conférences internationales, il faut présenter en anglais. C'est à ce moment-là encore qu'on commence à un petit peu à rattraper un peu le retard. Et donc ce qui fait que moi personnellement, même si Anna, je le dis, c'est-à-dire en anglais, je n'ai pas de problème. J'aime beaucoup l'anglais et je sais que c'est la langue avec laquelle, en principe, il faut enseigner les matières techniques parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique. Sauf que peut-être c'est pour les générations futures. Les générations futures, les enseignants, mais les générations actuelles. La majorité des enseignants, en tout cas les Kenyans d'abord, le domaine, par exemple, l'INSET, par exemple, comme établissement, si tu veux voir le nombre d'enseignants qui ont la capacité, Zama, dès demain, de faire leur cours complètement en anglais, mais tu trouveras, à l'image du Maroc, tu trouveras, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, si c'est pas du jour. Alors, parfois, ça peut paraître simple parce que l'enseignement, ce n'est pas comme un étudiant. L'enseignement, alors qu'il manque clic d'avoir ces questions de ce que la pédagogie, ce que t'as le donc c'est un effort de réflexion. Donc, ce qui fait que pour enseigner en anglais, quand même, ça demande un peu de temps. Donc, mais Anna, je suis tout à fait d'accord pour répondre à ta question. Anna, t'as remarqué
ان dans le يعني dans le domaine technique il faut enseigner en anglais. Il faut enseigner en fait en anglais. D'abord, le problème c'est qu'on a raté deux choses. On a raté le d'abord tu voulais nous parler l'arabe par exemple. يعني انا pour vous dire يعني اللغه العربيه الفصحى يعني c'est une langue que j'ai bien étudiée, que je maîtrise bien, que je يعني dans le dans la structure. Mais la même chose نفس الشيء, c'est que واحد الوقت on l'a pas beaucoup pratiqué dans notre quotidien. C'est que c'est normal, une langue si tu la pratiques pas toujours dans ton quotidien, c'est que يعني tu peux pas réfléchir rapidement avec ces langues. Alors Achille, le cas qu'on a d'abord, on a n'importe quoi en néglisia, mais à un moment donné, je vais commencer à réfléchir, je prendrai le temps. C'est pas comme, c'est juste pour dire en fait, il faut pas avoir le complexe de la langue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous maîtrisez une langue, ça y est. Donc il faut aller. Vous êtes bien en anglais, vous avez de la chance. Foncez, vous êtes bien parti, c'est très bien. Mais en même temps, il faut pas que la langue soit, on va dire, un obstacle, parce qu'on peut pas maîtriser toutes les langues. Si plus vous maîtrisez plusieurs langues, c'est bien, c'est très bien, c'est quelque chose de très important. Mais ça doit pas être un complexe. Rien ou quoi, notre domaine, l'université, il y a quand même quelque chose on va dire, dramatique, c'est que il y a beaucoup d'étudiants de la génération d'Eldava, c'est que le français, c'est pas qu'ils n'aiment pas le français, c'est qu'ils ont, dans leur système éducatif, ils ont raté le français. C'est-à-dire, c'est pas leur faute, c'est pas la faute des étudiants. C'est le système, les réformes qui ont détruit avec le, c'est-à-dire qui ont fait rater un peu aux gens la maîtrise de la langue. Et le problème, c'est que quand il arrive là sans baccalauréat, qu'il gère l'université, qu'il gère l'enseignement supérieur, il trouve que tout est enseigné en français. Pire encore, c'est que quand il va en entreprise, même les entreprises, tout le monde travaille qu'avec le français. Donc, elle est le drame. Elle est misvelier. Ça me fait mal au cœur. De la compétence. C'est pas question de compétence. Ah ouais, la compétence, il y a tout ce qu'il faut. Ou elle est qui? D'abord, il va passer des situations les on va dire il devrait s'exploser etc. Mais moi c'est un peu la situation. Et il faut le dire également, c'est que quand on enseigne, on l'oublie parfois, on fait attention. Parce que بالنسبة لنا حنايا on essaie d'innover في la pédagogie. كتقول انا صافي راه الكور ديالي par exemple راني صوبت مزيان راه فريمون صافي راك top, يعني صوبتي واحد الكور نتا راك بالنسبة لك نتا top. ولكن كتجي كتلقيه للطلبة, فاش كتلقيه للطلبة وكتهضر مزيان بالفرونسي ايتترا, وبالنسبة لك نتا راه صايي دونك راه خص كلشي يفهم. ولكن واحد الطالب هو عنده مشكل ديجا غير ديك لانغ اللي انت كتهضر بها باغ اكزومبل, مي بيان دي شوز كي كومبرون با, يعني مره دي مو سي ميم باسكو سي. دونك فينالمون راك انت عندك ان برودوي افيك ان بون بيداغوجي, ولكن كتلقى هذاك بهذيك سميتها, ولكن الطالب حتى هو عنده ان كومبلكس باغ اكزومبل مع لانغ. الوغ بوتيتر يعني نو زيتيديون mais un dommage muskil mal la compréhension de la, c'est-à-dire la compréhension, ça ils n'ont pas de problème. Mais le problème c'est que l'interaction, voilà qui brille par exemple les dommages, par exemple les jobs français ou dans ce métier, quel cas de difficulté qu'est-ce là, et vous connaissez le nars, avec le nars maintenant, parce que qu'est-ce qu'il y a, bon ça veut dire que finalement il rate donc qui me quand on a donc les soft skills qu'il faut développer, la communication etc. Il rate avec l'occasion, enfin il le rate, c'est-à-dire se développer d'une autre manière en tout cas. Mais c'est quelque chose qui me fait plaisir, Sarah, c'est que il est que la génération d'Yelna a un complexe en quelque sorte, on va dire, je ne parle pas de moi-même personnellement, c'est que elle a un problème avec l'anglais, d'abord parce qu'on sait que l'anglais c'est important.
يعني tous les enseignants font beaucoup d'efforts pour apprendre l'anglais, pour s'améliorer en anglais, etc. يعني كاين هذا الديفي كي سون كي لي كي 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 في طراي لي جون دونك كاين هذا الاشكال ولكن انت لا جينيراسيون ديالكم سيكو انا تا ما في بليزير كو جو تروف كو depuis 2 années ou la 3 années on a autorisé حنا بالنسبه لنا l'établissement nous avons autorisé nos étudiants à rédiger leur projet de fin d'études en anglais et à faire les soutenances en anglais ceux qui le veulent c'est pas obligatoire c'est-à-dire il peut faire ça parce que l'âge l'ena on a par exemple des étudiants qui sont brillants et quand ils viennent exposer en français vraiment ils te donnent style le problème ils te donnent l'impression que ouais ils maîtrisent même pas l'âge l'ena c'est le support avec l'outil de communication عندهم عاد des choses ولكن à un moment donné, il a dit, bah écoute, ça y est, tu te présentes en anglais, qui est avec une autre personne. Yani, tu vois que vraiment, la chose, ce que je souhaite sincèrement, c'est que d'abord, yani, il faut le dire, au Maroc, enseigner en anglais, ce n'est pas pour demain. Yani, mais par contre, faire ce qu'on appelle l'hybride, c'est-à-dire dans un module de formation, par exemple un module fait 60 heures il faut encourager les enseignants ils par exemple 20 heures ou 10 heures en anglais ou 20 heures je la fais par exemple en français ou là le semestre on va choisir quelques modules qui peuvent être en français plutôt en anglais mais vraiment tu remplaces le français par l'anglais bon déjà politiquement parlant ça passera c'est pas pour demain et techniquement parlant c'est pas également pour demain donc c'est un peu le ولكن bon la réalité هذا هنا c'est un peu un complexe ولكن في نفس الوقت راه اللغه العربيه c'est une langue qu'il faut يعني qu'il faut garder parce que نشلها العربيه c'est notre culture sincèrement وحنا زعما سميتو انا دابا كون جو ريغارد هاد ليريتاج هاد لاكي هاد لي شوز هادو مالوروزمون حنا في يعني كلنا هنا زعما لا جينيراسيون ديالنا بوتيت ديالكم انا ولا في كي دي كومبلكس راه قلت لك انا زعما غير واحد الوقت انا بور فو دير انا جو كاس با زعما لا رياليتي سي كو واحد الوقت حنا في الشلحه باش تمشي تهضر مع شي واحد بالعربيه كتبغي تبقى تهضر كتفكر واش تبغي حتى كتسمع كتقول جو با لي دوموندي علاش لان اي بور تو دير هادشي دابا كنقول لك دابا بور هادشي دابا فلاج ديال لافونس ايماجين سي كو نتايا عندك وزيد عليه دابا الفرونسي وزيد عليه لونغلي سي كو اون يعني كان يا كوميم هاد لا ماني نوتر سيستيم ايدوكاتيف surtout pour des familles qui n'ont pas les moyens, il faut le dire, parce que la majorité des Marocains n'ont pas les moyens. On a grandi avec des petits moyens. Donc, ce qui fait, la personnalité de l'un. La personnalité. Ou avec la notion de moi, je suis convaincu que j'ai mes compétences. Ce que je peux dire, la compétence. ولكن je bloque la langue, je peux pas m'exprimer comme je veux. Donc je me tais. الحس ليا كنت ما نهضرش وما نسمع alors que ça le système éducatif هذا c'est un point انا بالنسبه ليا هاد لي لونغ le français et l'anglais l'arabia donc ou notre les langues chelha ou Rifia, globalement, c'est quelque chose, sincèrement, avec un bon système d'éducation, on peut vraiment, les Marocains, ils peuvent vraiment parler très, très, très bien le français, ils peuvent parler très, très, très bien l'anglais. Ou la preuve, c'est que les familles qui ont plus de moyens, généralement, souvent, leurs enfants, ils arrivent à maîtriser les langues. Ça masse sans problème.
Donc, voilà, il y a du raté. Il y a du raté dans notre système éducatif à ce niveau-là. Je rappelle que ma réponse à ta question est Ajnaïa. C'est que pour les matières techniques, je suis pour qu'elles soient enseignées en anglais. Ça marche donc باش نلخص كيما قلتي انت ان فافور ان ان اللي بيتيتر في لي ماتيير تكنيك انه يكون لونجلي، ولكن باش تقلب كل شيء يعني من هنا لغدا اتس كومبليكيتد، يعني سي كومبليكي كيما كنقول سيتياسيون صعبه. اوكي دونك كاين واحد الاشكال اللي بيتيتر من خلال زعما ليكسبيريونس ديالي مع لي ستوديون فاش كان نديرو دي زيفينمون اكسيتيرا، كاين واحد لارغيمون بحال اللي كيعطيوه بيتيتر منهجي، هو تيقول لك مثلا غالبيه لي بروف اللي كاينين دابا كيقريو كيكونوا دي بروف دو ريشيرش يعني ديكتورون اكسيتيرا، ولكن لو بروبليم هو انه مثلا مش كتخرج انت شي واحد انجينير ولا ماستر كتخرجو خصو يكون بيرمو تكنيك، غالبا كتلقى هاد لي بروف دو ريشيرش مازوش في دي بواط اكسيتيرا، فاش كتشوف بحال كتكون واحد البارادوكس ان واحد ديجا ما داش في واحد لونفيرومون كيقريك عليها، كيفاش تجاوب على هذه القضية؟ انا كنشكرك مزيان سي يوسف على لا كيستيون باسكو الصراحه انتم دابا فوز ايت اون تران دو سولفي لا بروبليماتيك فريمون ديال نوتر سيستيم اديكاتيف. الوغ هنايا افكتيفمون كاين واحد الاشكال ديال لا فيزيون بوليتيك لا فيزيون سكون فو دو بي باسكو اون فيت في لونيفرسيتي كاينه واحد الحاجه سميتها enseignant-chercheur. D'accord? Alors, quand vous recrutez un enseignant à l'université, si vous le recrutez en tant qu'avec le statut enseignant-chercheur, ça veut dire qu'on est censé faire la recherche scientifique. Ou la recherche scientifique, bien sûr, pour un pays, c'est très important. D'accord? La recherche scientifique, c'est quelque chose d'important. C'est avec la recherche scientifique qu'on peut faire évoluer, c'est-à-dire notre tissu économique, etc. Alors, le Maroc, c'est que malheureusement, après j'arriverai à la conclusion, c'est que la recherche scientifique, malheureusement, c'est que tous les efforts que nous faisons, et vraiment, l'effort de la recherche scientifique qu'on fait avec tout ce qu'on fait, ça n'apporte pas grand-chose à notre économie. Il y en a vraiment. انه بدات هاد لا غير انا اش تيكسبليك شكون اللي كيستافد من لا ريشيرش سيانتيفيك كون اي اون تران دو فير دون نو زونيفرسيتي باغ اكزومبل سي لي راهي بور فوز اكسبليكي سي كو تي بو باسي اون اني ا ترافاي سور ان ترافاي دو ريشيرش سمعني مزيان يعني اشنا اون ترافاي دو ريشيرش سي كو تي اون تران دو فير ايفولي كيك شوز دون لو موند Ou quand tu fais beaucoup de travail, tu rédiges, tu fais des résultats, etc. C'est beaucoup de travail. Une année ou deux années, ça peut être trois années. Et quand tu arrives à... tu veux publier donc, les résultats, je veux dire. Tu dois publier ça dans des revues internationales, etc., de renommée, etc. Donc, tu envoies avec le papier ou le contenu. Après, tu attends du temps et ils vont te répondre avec des remarques, tu commences à corriger. Et parfois, quand ton article contient beaucoup de pages, ça veut dire qu'il faut payer, de l'argent pour qu'il soit publié, parce qu'il y a ce qu'on appelle les extra pages. Donc, tout ça, il faut qu'il soit, tu payes de l'argent. Regarde, tu passes beaucoup de temps, tu produis, tu vas payer de l'argent pour qu'il soit publié dans une revue internationale. Ou avec le produit d'hier, finalement, je connais qu'il y a d'autres. C'est quand les laboratoires ils ont beaucoup de moyens, ils ont beaucoup de moyens, qu'ils font ce qui est intéressant, ou maintenant ils font bien sûr la recherche, etc. Ils font des brevets, ils font des trucs, des produits, etc., qu'ils vont peut-être dans leur tissu économique, ça apporte des choses, et ils exportent. Bon. Et pour te dire, donc, la contradiction qu'on vit nous-mêmes, c'est que dans notre système éducatif, en tant que des enseignants-chercheurs, c'est quand on doit faire la recherche, on est convaincu qu'il faut faire la recherche, mais en même temps, on a le regret, ça nous fait mal que ce que nous faisons dans la recherche, ça n'apporte pas, je dis pas ça n'apporte pas des choses, ça n'apporte pas beaucoup de choses. Parce que, y a des brevets, il y a des choses qui arrivent
à être mise en place même au Maroc. Il y a des gens qui vrillent à ce niveau-là. Mais dans la majorité des cas, sincèrement, c'est halakhan. Donc, d'acheter à l'âge. Oh, Anaran, j'ai d'abord la question d'elle, parce que je n'ai pas observé. D'abord, j'ai la question d'elle. D'acheter à l'âge, Anaran, ça fait 5 ans de la saison, ou là, 7 ans, je ne me rappelle pas. Il y avait un séminaire que le ministère a organisé dans le domaine de l'innovation, où ils ont fait venir des experts à l'étranger, etc., pour travailler sur des tables rondes pendant des jours, quelques jours, ou 4 ou 5 jours. On travaillait sur des thématiques là, dès que l'innovation. Et après, ce qui m'a impressionné, c'est qu'on a travaillé sur des cas de pays. Au HNF, le groupe d'Yelna, on avait le cas de Mexique. C'est-à-dire étudier le cas du Mexique et voir un peu le SMITO. Et quand, déjà, bon, quand ils nous ont distribué les documents pour le cas du Mexique, ben, on avait beaucoup de documents, beaucoup de choses. C'est-à-dire l'économie, la recherche. La thématique, c'est-à-dire la relation entre la recherche, l'université ou l'économie. L'économie, c'est-à-dire, bon, c'est-à-dire, il y a la recherche, il y a l'économie, il y a le tissu industriel. Donc, on avait beaucoup de documents. Il y a un groupe qui avait à étudier le cas du Maroc. Mais il y a 3 pages. Ou la 4 pages, allège. Il a déjà les données. Tu veux même étudier le système économique bien, mais vraiment, tu n'as même pas tu n'as pas toutes les données pour diagnostiquer. Tu veux diagnostiquer quelque chose, ce que les données. Ouais, les données, mais là, on a un grand problème au Maroc. Déjà, les données réelles, ils ne sont pas partagées et ils ne sont pas structurés. Bon, bref, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Donc, ce qui fait, le cas du Mexique, c'est un bon exemple, d'ailleurs, que je cite. En 2012, par exemple, au Mexique, ben, ils étaient dans la même situation que nous. Ben, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, ben, ils se sont dit, il y a un président qui a dit, de toute façon, à l'état actuel, ils n'ont pas besoin de faire la recherche. Ils ont besoin de former des ingénieurs. Parce que la réalité du Maroc, c'est ça. Nous avons besoin de former des ingénieurs. C'est-à-dire que l'effort qu'on devrait faire, là, on doit investir, c'est investir la formation des ingénieurs. Quand je dis des ingénieurs, pour moi, le terme ingénieur, ça peut signifier technicien, ingénieur, master. Le terme ingénieur, c'est parce qu'un technicien, pour moi, qui va dans l'entreprise, il passe 2 années, c'est en fait. Il évolue vers l'ingénierie, donc, mais ce n'est pas ça le problème. Donc, ils ont fait la stratégie à l'avenir qui m'a impressionné. C'est qu'ils ont dit, voilà, on va, avec le budget les canards de la recherche, ça y est, on va plus, on va essayer de l'investir l'enseignement des ingénieurs. Et ça veut dire, on va recruter beaucoup de profs, on va donner plus de temps. Beaucoup de budget bâche l'enseignement des ingénieurs économiques. Ils ont fait ça. Ils ont fait avec l'expérience, un à Canada, le cas du Mexique, mais eux-mêmes, ils se sont inspirés de d'autres pays, ouais, pour voler. Donc, ils ont investi à l'enseignement. Je n'aurais au bout de 4 ans, 5 ans, où une bonne qualité d'ingénieur, c'est-à-dire la formation, c'est-à-dire ça marche, il y a quelque chose. Du moment que le pays a de très bons ingénieurs, de très bons techniciens que tu formes, à Genoa, ou là où les investisseurs étrangers, ils investissent en masse le pays. Et là, je l'ai naturel, la qualité de la main-d'œuvre. Et quand tu as la qualité de la main-d'œuvre, tu as ce de l'investissement. Et quand l'investissement étranger, l'économie qui est dynamique. Donc, l'industrie se développe. Heureusement pour le Maroc aussi, il y a des secteurs qui se développent très bien, etc. Donc, ça fait plaisir. Donc, quand l'industrie se développe, tu as besoin de la recherche. Donc, ça veut dire qu'une fois que l'industrie, une fois que ton système, l'économie, l'industrie se développe, c'est à ce moment-là qu'il faut investir beaucoup dans la recherche. C'est là où tu vas commencer à. Là, j'ai des contrats avec des entreprises. Parce que la recherche scientifique, c'est que tu ne peux pas la faire en université ou à l'université.
خصك دي كونطرا افيك دي زونتربريز كي تو فون كونفيونس سي سيو افيك دي سوجي سور لوكيل تي فا ترافايي ايتترا دونك عندك واحد لو تيسي اندستريال ايكونوميك كي في كو لا ريشيرش سيانتيفيك سي تري امبورطون في هاد لو ستاد لان لي زونتربريز فون بي دي بورس بور لي ايتوديون لي دوكتورو ايتترا كي فون ترافايي بوندون 3 اني في ان لابوراتوار pour produire quelque chose sur, qui va donner naissance à des brevets, à des produits d'aide, les humains qui vont en fait dynamiser l'économie. Un Akangoulat, je trouve que le Maroc, on est dans cette situation. C'est-à-dire nous avons besoin d'investir, c'est-à-dire les efforts qui doivent être faits dans le domaine de former les ingénieurs et les techniciens. C'est-à-dire qu'il faut donner plus de moyens. La recherche scientifique, c'est important. Alors, la recherche scientifique dans notre pays qui n'aboutit pas, qui n'améliore pas le tissu industriel et le tissu économique du pays, alors c'est beaucoup de... Il y a une émise bénéenaire. Parfois, ça nous réjouit. Le Maroc est classé... Il y a un classement qui est fait par les étrangers. Tu classes combien, واش تزيد هذا لو رون ولا ايترا اي alors احنا اون تام دو بوبليكاسيون كتحسب لنا لون دو بوبليكاسيون فيت ايترا مي سا يعني سي ان انديكاتور وي ولكن لو بروبليم كون تي ريغارد طون ايكونومي يا كومبيان دو كونطرا يعني في نو لابوراتوار دو ريشيرش شحال ديال لي بروجي دو كونطرا افيك لي زونتربريز ايترا هذاك كاين واحد لا كوبور ما كاينش هذاك يعني alors que à l'étranger non. C'est que la recherche scientifique, il est lié à l'industrie. Et l'industrie, c'est-à-dire il y a en fait un échange. Donc ce qui fait que pour arriver au problème que tu as expliqué, Félin, donc Kane had l'ishkel, c'est que même dans le recrutement, d'abord, et ça c'est un problème. Et ça bon, je donne mon avis quand même, dans le recrutement des enseignants à l'université. كان ديروا سكون ابل اون غري اون واحد لا غري ديال باش تعرف واش يا دي جون كي اون دي دوكتورا اي ابري يا انكور دي غري دون ديكيل اون كونط شحال ديال لي بوبليكاسيون دار شحال ديال لي كومونيكاسيون شحال سمي ايترا سا سي امبورطون ولكن انا راه جي بوزوان دو ريكروتي ان انسيون كي فا فورمي دي انجينيور دونك Je ne vais pas recruter quelqu'un qui va faire que de la recherche scientifique. Oui, nous y a de la recherche scientifique, c'est très important. Donc, même dans la manière de recruter les enseignants, nous avons besoin dans notre système éducatif des ingénieurs docteurs pour enseigner. On a besoin, c'est-à-dire des gens qui sont formés pour être des ingénieurs et qui font un doctorat qui et par la suite qui leur permet d'être des enseignants à l'université. Ça, on en a beaucoup besoin. Il y en a. On a des c'est-à-dire c'est des gens qui m'a dit هنا ما عنديش نلقى هذا المشكل هذا ديال لو ديفازاج. يعني انت بون حيت ممكن يكون ان انجينيور اللي ديجا انجينيور mais en même temps c'est un chercheur et il est enseignant, il y a de la pédagogie généralement ça peut donner des choses intéressantes. C'est que quand je fais de la recherche, je vous le dis bien, il y a des gens qui font de la recherche. Je peux même vous dire, il y a des enseignants qui sont partis à l'étranger, qui ont fait un doctorat en informatique. Et vous savez, un doctorat en informatique, au niveau scientifique, il est très bon et il a atteint un niveau de maturité, etc., en tant que chercheur, etc. Il y a des enseignants comme ça, et pour vous dire, qui, à un moment donné, cherchaient du travail. C'est-à-dire, ils cherchaient un poste. Ben, ils se retrouvent privés de... C'est-à-dire, au solo, à le niveau, mais pour être recruté, est-ce qu'il y a, par exemple, l'informatique ? اجي واش كتعرف تقري جافا واش كتعرف لا يمكن سمي واش جافا انا جو سي سمي كات تي في لو ديفلوبمون ويب نو جو في با دو ديفلوبمون تي في لو ديفلوبمون موبيل نو جو في با لو ديفلوبمون موبيل
Est-ce que tu fais les bases de données distribuées, tu fais le... Non, tu as des trucs le cloud, le big data, non? Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je peux enseigner l'algorithmique et programmation, je peux enseigner l'intelligence artificielle et je peux enseigner, je sais pas, des choses qui peuvent, la recherche opérationnelle peut-être au-delà, etc. Donc, quand ils ont des problèmes, d'abord même à l'étranger, c'est la même chose. D'abord, les docteurs qui ont des masters en formation continue. Donc, imagine, d'ailleurs, le master, ça fait longtemps. Il a fait le doctorat en 5 ans, ou 4 ans, ou là. Et après, à un moment donné, pour devenir un enseignant, il va encore s'inscrire dans un master. Mais cette fois-ci, les endo qui étaient avec on va dire, le métier de l'ingénieur, en quelque sorte. Et là, Bèche, les NA, ça, on le sait, c'est qu'aujourd'hui, donc, les universités, nous avons besoin effectivement des enseignants qui ont la maîtrise des métiers de l'ingénieur. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce que il y a beaucoup d'enseignants, mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Il faut le dire, bon, parfois là, on se cache, un désordre. L'organisation n'est pas très bonne dans notre système éducatif. Le Maroc, ou même le Maroc, par rapport aux autres pays, c'est qu'avec le désordre, parfois les gens se cachent derrière le désordre. C'est-à-dire, tant que les choses ne sont pas bien organisées, c'est que alors, tu ne peux pas évaluer les gens, tu ne peux pas savoir c'est qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. Donc, qu'est-ce qui fait plus d'efforts? Qu'est-ce qui peut faire? Parce que l'organisation qui n'est même pas informatisée. Donc, tu ne peux même pas évaluer les performances des gens. Tu n'as pas des indicateurs de performance. Il a donc les indicateurs de performance. Il a voté de la valeur. Alors, quand tu sais, d'abord, comme d'abord, tu as dit, ouais, Allah, tu as dit, شحال تماك ما عرفت كاع بون سا ماري بارفوا ان ايتيون كيقول لك فوالا جو سي ميم با بوركوا اون في بون بور فو دير سي كو راه لي كونسيرني اللي هما لي ستوديون هما عارفين ليتا دو لا شوز مي او ميم طون هادوك هذاك سي دي شوز كي راست شي لي ستوديون وحنا اون طون كو باغ اكزومبل وحتى حنا لي زونسينيون فهنا لا ليكتور وي كل واحد دي دي صناديق زانديك هنا اين ليكتور ولكن هادشي كامل فين واش كتمشي او نيفو ديال لونيفرسيتي ولا تمشي للمينيستير تقول لهم اعطيني لي زانديكاتور دو بيرفورمانس اعطيني سميتهم ما كاينينش دونك سي تي نا با سا تي با فير لو دياغنوستيك اي سي تي بو في سي تي في با لو دياغنوستيك لو بون دياغنوستيك Donc, tu vas rater quelque chose. Donc, en fait, tout ça, c'est dans l'organisation de notre système. L'organisation, c'est qu'il faut les manuels des procédures, il faut automatiser les trucs des systèmes d'information, il faut. Il y a des efforts qui se font au niveau des universités principalement. Si on veut faire ça, mais il faut le dire. Donc, c'est toujours parfois, on ne sait pas comment le faire. On fait l'effort. Voilà. اوكي صراحة أناليز زوينة بزاف الطريقة من التجربة عاوتاني لينا بزاف ديال الحوايج وفريمون هاد القضية اللي قلتي مهمة بزاف قدرت بدات تطبق ولا شي حاجة شي حاجة اللي مزيانة بزاف اوكي دونك بور لو مومون صراحة ترى تعطلنا عليك يا أستاذ دونك غادي ندوز لواحد لابارتي اللي هي الناس اللي بدات متبعين ليكس بلا بلا نقدر نعاود لكم شنو درنا ديغنييغمون درنا واحد السيرفي وسولنا بزاف ديال لي ديفلوبور لي ستوديون على دي تروك اللي كنشوفوهم حنا هنا لقينا بانه بيتيتر ما كاين حتى شي سيرفي اللي تخلينا نجمعو كما قال سيريوس ما عندكش دي داتا باش تاناليزي اش واقع دونك حنا حاولنا اننا نديرو هاد السيرفي هادي وسولنا بزاف ديال الاسئله الاسئله مازال ما لحقناش كاع لي ريزولطا دونك غادي يكونوا السيمانه الجايه اي جيس دونك تبع الحلقه ديال السيمانه الجايه ولكن ارتأينا اننا مادام معنا الاستاذ يوسف ناخذ الاسئله اللي كانوا متعلقين بتوسكي
يونيفرسيتي اكسيتيرا والقرايه ونطرحوهم عليهم ونشوفوا واش واقع. دونك جو كرو غادي نبدا بالسؤال السؤال الاول. اوكي دونك تقريبا هذا السؤال اللي فريمون كان سؤال انتيليجون انا نسوله. وقلنا البنادم الا كان ان بروبليم في ليديكاسيون سيستيم بالنسبه لك كيبان لك ان بروبليم زعما في الراي ديالك شنو هما الناس اللي ولا شنو هما العوامل اللي كيساهموا في انه كاين بروبليم. تقريبا 80% المهم هذا السؤال هذا جاوب عليه 2287 عدد اللي صراحه لا يستهان به. وقال لك بانه 80% منهم تجاوب بان السيستيم فيه ان بروبليم. السيستيم كيعني بدات خلي موديل اللي كيتقراو اكسيتيرا. ومن بعدها كيجيو لي تيشر بدات كيحملوا المسؤوليه في هذه القضيه 38%. وكاينه كومباني اند انجاجمنت ويد اكاديميا كيعطيوها حتى 35%. وهما نورمالمون حيت هادو كلهم غالبا ايتيديون ولا فاتو ايتيديون عطاو راسهم هما الاخر وعطاو 26. دونك جو كخوا غادي يكون عندك استاذ يوسف شي قراءه لهاد الداتا هادي. انا بالنسبه ليا دابور جو فيليسيت دابور هاد الانيسياتيف سي تري امبورطون. دونك انا بالنسبه لي سي اسي لوجيك يعني oui. يعني vraiment c'est des indicateurs c'est à peu près parce que les problèmes même si tu donnes il a été neuf le questionnaire les enseignants à mon avis tu vas trouver la même d'accord tu vas trouver les mêmes résultats à peu près yeah. Et si tu le donnes par contre c'est-à-dire les politiciens tu ne rends pas le même. Mais effectivement, le problème, tout le monde le connaît, mais effectivement, parce que, comme m'a dit, donc, les échecs des réformes, le système éducatif, on ne peut pas les cacher. Il y avait des échecs, etc. Ce qui fait le système éducatif, effectivement, si l'organisation l'organisation en principe dans le passé, ce qui fait que nous avons des défaillances. Ouais, donc les défaillances, en quelque sorte, c'est pas quelque chose qu'on peut éliminer à court terme. Alors, on a voulu parler de la contradiction. Qui voulait que d'abord les gens de l'université, تهضر مع الاساتذه وتهضر مع لا ليجونس سميتو كيقول لك واو النيفو ولا طاح كيقول لك النيفو نزل بزاف واش انت كيفاش الطلبه اللي كانوا تبارك الله راه هذاك دابا راه تو سا سي لا سكيزوفريني ولا سي با كومون جو في ابلي. كاين فعلا كاين واحد المشكل ديال المشكل ديال لي لونغ وديال يعني اون بو با افوار لي ميم ايتيديون دون توت لي جينيراسيون. Voilà, c'est impossible. C'est que la génération d'il y a les étudiants d'il y a d'abord, c'est pas le, parce que rien n'a qui connaît avec le, on va dire le, qui est connu avec le hamin d'il le passé à l'époque, même dans tous les domaines. Si le domaine d'il football, écoute que tu vas là, et là il y a le corps à l'époque après le corps africain, à l'époque, etc. واش من الكره اللي كانت كتمشي تلعبي وفيا ولكن راه دير راه لو فوتبول لا ايفولوي سا اون لو سي لو فوتبول ديال دابا سي با لو فوتبول ديال لو باسي ولكن هذاك لا نوستالجي ديال لو باسي كي في دير توجور كو لو باسي سي ميو كو لو بريزون. دونك هنا يا هذا الاشكال. دونك سو كي في لي كيستيونير دون مانيير جينيرال يعني فريمون تا هو c'est un peu pour piquer le pour avoir un survey qui te donne de bons indicateurs. Effectivement, il faut prendre aussi en considération la nostalgie de leur passé. C'est-à-dire, on a toujours envie de dire que leur passé c'est mieux que le présent. Non, d'actuel je n'ai jamais congolais un jour. Alors là-bas, là les étudiants. Les étudiants d'IEL actuellement, ils ont des capacités, comment dire, c'est vrai, que vous voulez que je me sur Facebook, que je me sur les réseaux sociaux, etc. Oui, mais c'est la réalité.
يعني il y a un aspect négatif qui fait que les gens sont trop occupés par d'autres choses. يعني c'est-à-dire ماشي بحال à l'époque c'est que en fait tu n'as que tes études dans lesquelles tu peux passer ton temps hein. Donc c'est pas la même chose. Donc ولكن هذاك هاد لي ريزو سوسيو هاد سميتو راه حنا ما واحد ان اوتر تيب دانتيليجونس سي لي ستوديون. دونك حنا بون هادشي كنقول دابا لو سيستيم ايديوكاتيف خصو يعرف ان يا كو ميم il faut pas dire toujours que راه nous avons une nouvelle génération les qui ont besoin plus d'efficacité qu'auparavant. يعني شنو الافيكاسيتي سي كو لي جون ils veulent atteindre rapidement le يعني le résultat يعني بالنسبه له كيشوف كت انا كنشوفها من زعما nos enfants ou le سي كو يعني في هاد لا جينيراسيون كي كدير له شي حاجه كيبدا واش هادي كوسينوس ولا سينوس ولا مي كو سا با ما سيرفير هاد يعني سي تادير انا قلت لك زعما بون كوسينوس سينوس و التريغونومتري ولا دي تري كوم سا يعني هاد لا جينيراسيون il se pose هاد لي كيستيون واش سا va me servir ولا لا. À l'époque, non, on ne se posait pas les questions. Et là, je n'ai pas l'air, ça fait de toute façon, tout est important. Donc, là, tout est important parce que on n'avait pas les moyens que vous avez maintenant, les réseaux sociaux et tout ça, donc vous êtes bien informés, etc. Et en même temps, donc, bon, pour commenter, pour ne pas trop prendre le temps, هو انا من هاد السيرفي ديال كي لي تري بيان جو بونس كو سا ريبريزونت لا رياليتي و ايفيكتيفمون لا غراند بار ديال ليشيك اون كيلك سورت سي يا بيرسون كي فا تو دير نو سي كو لو سيستيم اكاديميك دون مانيير جينيرال اي لا ان فيت فيكو كيلك ايشيك كي في كو ماتنون اون اي اون تران دو رولفي لو ديفي افيك بارفوا دون مانيير اجيل هذيك لاجيليتي. Et vous savez, l'agilité, s'il n'est pas bien organisé, ça devient à un moment donné, le, je ne sais pas. C'est-à-dire, on réagit, on veut faire évoluer les choses, il y a des efforts importants. Ou alors, il y a une question de la vision à moyen terme. Avec la vision à moyen terme, en j'espère, en tout cas, parce que je ne fais pas de politique, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère que au haut niveau de politique, c'est que qu'on y a des groupes qui sont en train de réfléchir vraiment à moyen terme, mais c'est pour l'année prochaine ou là dans deux années ou là trois années, dans enfin les quatre années ou là les six années à venir, qu'on une vision à budgétiser avec des choses bien mesurables et qu'on ait des choses bien claires. Là, on n'aura pas toi la réforme, on a besoin d'une seule réforme et on peut régler le problème d'une nouvelle génération. Parce que d'abord, la génération de la base, bon, il est ce qu'elle est. Ok, donc, je vais te dire que je vais te dire deux questions, je pense, le second, vraiment, c'est un sujet moyen, c'est que les gens, les concepts que tu as dans la classe ou dans l'école, c'est que tu as une carrière professionnelle. 50%, je vais te dire que tu as une carrière. Ok, donc, c'est que tu as 47%. جاوب انا وي مزيانه باش تبدا و 21% فهمتي هادو هما المجتهدين قالوا لك everything I need. اوكي دونك غادي ندوز نورمالمون هادي بالنسبه لكل شيء يعني 2001 ولكن الا اختارينا غير لي ستوديو كنشوفوا بان بدات هاد النسبه كتطلع و تيقولوا نوت انث يعني واخا مازال ما جربوش لونتربريز ولكن مع هاد كيقولوا بان بالنسبه لهم كتبان لهم بانها ما كافياش. وي ils ont tout à fait raison les étudiants ils ont tout à fait raison. Et même les anciens le savent. Alors, pour vous dire, c'est que nous avons un problème académique. Les étudiants, nous avons un problème en tant que les anciens. Je suis coordonnateur d'une filière. D'accord ? Ou la filière AD, par exemple, c'est pour avoir une filière d'ingénieurs. Il faut rédiger le cahier des normes, il y a des centaines de pages. C'est beaucoup de travail quand même. C'est-à-dire l'architecture de la filière d'ingénieurs, etc. Et après, il faudrait l'envoyer pour qu'il soit accrédité. Et une fois qu'il est accrédité, le contenu il est figé pendant 4 ou 5 années. Tu n'as pas le droit de le changer. D'abord, l'architecture de la filière,
نعطيك ليكزومبل. دابا انا في واحد لو دومين ديال لي تكنولوجي د لانفورماسيون كي ايفولي ياك لي او بو دو دو زاني يا توجور دي شوز كي ايفولي فو اتر اجيل افيك هاد ليفولوشن. ودابا كون تي في اون اكريديتاسيون دون فيليير سي كو تي سونسي يعني كون تي دون كون تي في يعني لي ديليبيراسيون وكتعطي لي نوت ايتترا با تي اوبليجي دو tu sais, je vais un exemple, par exemple, que dire un module qui te paraît déjà, mais quand vous 4 ans, à 4 ans, c'est d'abord pour l'activité, ou alors qu'il la préparation de la filière, alors si 2 années, par exemple, le département est en train de préparer. Donc, il y a un contenu, il aime quand même vraiment des équipes pédagogiques, qui m'agrètent qu'on a des ingénieurs, et qu'on a des gens qui sont sur le terrain, où ils font participer les entreprises sur le contenu d'Ixé, c'est qu'au bout de 4 années, déjà tu pars avec quelque chose qui est un peu dépassé, soi-disant, qui est un peu de... qu'il faut, on va dire, qui est obsolète, il faut le dire. Mais après, après 4 années, à des 4 années, même si tu t'en rencontres, un agile par exemple, comme vous, mais c'est pas normal, chez Marceau, chez Iconac, par exemple. Je veux le changer. Anna, je fais avec mes étudiants. Le contenu, bon, yani, c'est quelque chose que tu changes yani, globalement, tu peux changer le contenu. Walakin, ça t'arrive parfois qu'il y a un module, les WAC qui écrit par exemple les 50 heures. Ou ça a été fait comme ça, mais finalement, quand tu fais avec le module, à cela, il y a 10 heures. Yani c'est quelque chose que tu peux faire rapidement 12 les حوايج اخرين. Donc ce qui fait كيكون هذاك هذا الاشكال ديال le contenu pédagogique effectivement avec 50% d'un terme à 100%. C'est que il y a toujours un instant donné كتلقى ديما واحد une bonne partie ديال le contenu c'est à améliorer, il faut l'améliorer. Mais malheureusement au niveau système académique ما عندناش ماشي بحال le domaine du privé. C'est que même si tu veux changer il faut pas tout, il y a des restrictions académiquement, tu peux pas même que tu as un module ou tu lances un autre module les il a dit académiquement parlant tu n'as pas le droit alors il y en a le premier qui va contester voilà l'étudiant n'aura ta terre la note ah juste à voir c'est des trucs bizarres n'aura tu donnes la note ben l'étudiant à un moment donné il peut contester il voulait que mais, يعني سي تادير تي مو دون يعني في البولتان تي لو دون باغ اكزومبل نعطيك على ليكزومبل درتي واحد الكور سيغ جو سي با سيغ علي بون كيك شوز كي اوبسوليت جو سي با انت في الموبيل باغ اكزومبل دخلتي باغ اكزومبل في الموديل باغ ايغور سميتيه comment dire, mobile first, ديال IBM ou là, parce qu'il y a une époque on croyait que ça va marcher, mais à un moment donné ça ne marche plus, il n'est plus utilisé, etc. Je ne sais pas. Par exemple, le programme, où il se clique avec l'excès, tu l'as fait comme ça. Donc, à un moment donné, bon, peut-être tu veux même le changer, tu le changes. Après, dire les ionic, dire les flatteurs, dire les le contenu, ou aller qui fait la note, dire la matière, donc ce va mobile first. Yani c'est tu vois le problème c'est un peu le il y a des contraintes mais en même temps qu'une qui m'a dit l'équipe pédagogique en principe ils font un mal de leur mieux mais c'est vrai bon ça on le sait même les enseignants le savent c'est que le contenu au bout de 4 ans il faut l'améliorer rien هنا واحد الحاجه اللي est très importante وهنايا il faut bien le noter c'est que le domaine des formations ce qu'on appelle les fondamentaux. Et les fondamentaux ne changent jamais. Alors, l'algorithmique programmation, la programmation orientée objet, les design patterns, les bases de données relationnelles, NoSQL, je ne sais pas quoi, les systèmes d'exploitation, les bases des systèmes d'exploitation, la technologie web, quand je dis la technologie web, elle a même fiche les frameworks. La technologie web, le protocole HTTP, il est ce qu'il est. Soit tu le connais, si tu le connais bien, alors tu peux bien maîtriser les failles de sécurité, tu peux, etc. Si tu ne le connais pas, alors tu peux développer avec n'importe quelle technologie.
دونك هاد لي فوندامون دون شاك دون شاك بارتي هو هاد لي فوندامونتو هادو سي سي هادو سي لو سوكل هاد لو سوكل هذا يل دو ايتر بيان 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 طراي و مالوروزمون بارفوا دون دي فورماسيون هاد لو سوكل كي راتي اي كونت لي راتي فينالمون اون كونت سور لي موديل اون فادير ا فورت فالور تكنولوجيك اللي هما غادي يستعملوهم نيشان في لونتربريز. Et après, bon, on tombe dans le problème dont on avait parlé, c'est-à-dire, je maîtrise, je sais développer des applications, je connais les frameworks, etc. Mais je suis incapable de développer un nouveau framework, par exemple, ou là de produire une solution logicielle pour l'entreprise qui va lui permettre d'économiser beaucoup de temps de développement, etc. Ça, c'est un peu le problème. Ok. Donc, je crois que nous sommes sur Yannissara Tchalik. المهم قراءه زعما منطقيه جدا لهداكشي اللي قلتي تقولوا مزيان عرفنا بزاف ديال الحوايج الخبايا كيكون سامارش هاد القضيه اللي قلتي صراحه اول مره كنسمعها انه بدات كتوجدوا الموديل ولا لي تيم قبل بدات ما يكون هذاك الفيليير ومن بعد 4 سنين عاد ممكن تبدل ولا تغير شي حاجه اللي هي سبيسيفيك دونك كتبقى بحال اللي كتقول عندك واحد 5 كون اللي هي فيكس انا عطيك انا ليكزامبل انا اون فيليير انجينيور ديال جيني لوجيسيال les systèmes informatiques distribués. L'accréditation que nous avons d'abord, bon, l'accréditation, c'est un peu le... D'abord, ça remonte à 6 années avant. Ou à l'époque, tu sais, J2E, quand les EJB, Enterprise Java Business, c'était l'époque, il y a tout le monde parlait des EJB, 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 tellement que, avec EJB, qui voulait un élément de module, c'était EJB, Enterprise Java Business. Mais il se trouvait que faire le فهاد لي زاني كامل لا اجيبي يعني يا بيرسون سي لا سي اوبلي دونك كلكو سورت ميم اون انتربريز اي بورتون عندك واحد لا ماتيير سميتها اجيبي مي انا يا بون كون هذيك لا ماتيير اجيبي يعني لو كونتوني راه ما عنديش هذاك اجيبي لو كونتوني جو في اوتر شوز سي لا parce qu'il y a Spring Cloud, il y a les microservices, à Chicago, mais quand tu vas pas trouver un, par exemple un élément de module architecture basé sur les microservices. Non. Mais là, ce qu'on fait, c'est ça, c'est un peu, c'est-à-dire que un de l'élément de module qui doit l'étiquette un peu telle, au blasto, c'est-à-dire un contenu qui va dans le sens. Mm-hmm. Il faut le dire également. Bon, ça, c'est des choses maintenant depuis que parfois on évite maintenant que les accréditations, c'est-à-dire yani, avec le terme technologique, Marcel Gibbons, le titre. Yani, tu peux parler de système distribué, tu peux parler de. Mais jamais, langage, par exemple, élément de module, développement avec PHP. Ça, c'est une erreur. Un code développement web, vous savez. Parce que si c'est aujourd'hui PHP, peut-être demain ça va être Node.js ou là. C'est un peu le. D'ailleurs, web, académiquement, il y a des erreurs comme ça qui font que parfois, au Kenya, chez SATD, bon, ils n'ont pas le courage de. Que vous le connaissez, bon, on a chez Mkhtoub EJB, on a un dire EJB. Je ne peux pas faire. On a une matière chez Adakshi, bon, l'étudiant, à un moment donné, il voulait que Mahmijgan, tu ne m'as même pas fait. En tête, tu vas. Bon, etc. وي وي وكيما قلتي هذه القضيه هذه بدات كتبان في الدومين تاعنا بزاف حيت قدر لي دومين الاخرين ما شي ما كيجريش بزاف ولكن الدومين تاعنا فريمون خصك تقريبا كل عام عامين خصك تريفريشي هذاك الشيء الا بغيتي تكون زعما اجور ديال بصح اوكي دونك تقريبا باش ما نتعطلوش عليك استاذ ديال في صراحه راه طولنا حنا تفاهمنا على ساعه ونص دابا تقريبا راه غادي لشي 3 ديال السوايع مرحبا دونك واحد السؤال اللي بزاف البنات كيسول تما نورمالمون قلتي ما عندكش مع السياسه ولكن بزاف ديال لي كومونتير تيقول لك بدات خصنا اليوس في وزير الموازير ديال التعليم العالي باش يحاول يطبق كاع هادشي انا ناخذ هذه القضيه ونسولك واحد السؤال فريمون اللي بوتيتر انتريسون بالنسبه لك انت الى نفترض جدلا انك مينيستر ديال ليدوكاسيون ديال التعليم العالي بالنسبه لك شنو هي الحاجه اللي مهمه اللي خصها تبدل في هاد الوقيته هذه Bon, à la fois, peut-être que je vais vous entendre parce que c'est il y a le. Alors, en fait, j'ai la chance de. Je suis un travailleur. Je suis quelqu'un de très positif dans ma vie. Yani, tous les gens avec qui j'ai travaillé, yani, les amis, l'école, même l'université, là où je travaille,
le ministère, même moi à l'époque, on faisait appel à moi. Et je suis toujours quelqu'un qui a participé à faire évoluer. Tant que on peut faire quelque chose, j'essaie d'aider. À chaque fois que je trouve que en quelque sorte, je travaille sur quelque chose qui tombe à l'eau, c'est-à-dire les efforts que je fais, tu vois toi-même, tu n'arrives pas, tu vois que c'est irréalisable, ce qui me un peu dérange, le travail des institutions d'une manière générale, c'est que les institutions, peut-être même les entreprises, c'est pareil, c'est que on a besoin rapidement d'afficher des indicateurs. C'est-à-dire il faut montrer que ça marche. Tu vois? Oui. Mais alors que le système éducatif, non, c'est là il faut pas. Si ça marche, ce n'est pas parce que tu affiches des indicateurs, là on a fait, maintenant voilà, là, on a informatisé, on a fait. Voilà qui est bon. C'est un peu le problème. Donc ce qui fait un agidu, travailler dans beaucoup de projets, dans le cadre des institutions, le ministère, etc. Et je trouve toujours que كاين واحد الاشكال حيت نتوما هضرتوا على لو ministre par exemple سميتو لو بروبليم. انا جو vous étonner. Alors le problème, ce n'est pas on va dire le top management. راه تي peux تهز le ministre, انا تهز واحد quelqu'un اللي هو ابستراكسيون للبوليتيك, غتهزو غيقول لك انايا راه فريمون راه سي ان بو لو سي كوم سا كو سي كوم سا كو جو فوا لي شوز اي كيلكان كي بيان بلاسي وعندو لا فولونتي عندك نعطيك كاع بون ابري لو بروبليم تي فو اكزيكوتي هذاك البروغرام ديالك باش تمشي ديك لا ريفورم. راه تي بو با ايماجيني, c'est que pour exécuter, en tant que ministre, là, tu es le responsable, hein? Là, c'est pour exécuter tes réformes, tu fais ça, là, tu trouveras, il y a des obstacles que tu ne vas jamais comprendre. Et là, je l'ai un avec le, il y a beaucoup, la chaîne, il y en a beaucoup qui aiment vivre dans le désordre. Parce que parfois, le désordre, il y en a ceux qui profitent du désordre. Avec les choses ne sont pas claires. Donc, ce qui fait qu'il y a la résistance. Avec la résistance au changement, comme vous l'appelez, avec la résistance au changement. Alors, c'est pas quelque chose que tu peux voir avec les yeux. Donc, ce qui fait, il y a la volonté, au niveau politique, les boulots. Alors, ça, c'est les choses qui doivent être faites. Parce qu'il n'y a la volonté politique, il n'y a rien. On dit la première. La deuxième, c'est qu'il faut travailler. Il faut travailler sur le Kimagiltkubila, sur l'organisation de la chaîne. Je n'ai l'organisation de la chaîne. Car c'est un travail d'informatisation qui est énorme. Il y a tous les volets, les universités, les établissements, et un le ministère, et un c'est badal, j'ai informatisé. Mais il n'y a aucune raison. Là, il y a beaucoup d'argent qui parfois. Il n'y a aucune raison pour ne pas automatiser, faire informatiser tout le avec des procès, avec des manuels de procès. L'ENA, il met des chiffres tous les niveaux. Là, tu ne peux pas avoir des indicateurs. Tu ne peux pas mesurer les performances. Tu ne peux pas savoir qui travaille, qui ne travaille pas, etc. etc. Donc, vraiment, c'est un volet. L'informatique, c'est là, il va révolutionner un peu le. Donc, maintenant, le système d'information qui est bien placé et qui, donc, à tous les niveaux, et que toutes les choses, aussi bien au niveau de l'éducation que de la santé, que de la justice, etc., parce que parfois, il y a des interactions qui rentrent dedans. Mais quand on a un système qui est ça, ça veut dire que tu peux commencer à parler de la transparence. C'est-à-dire, là, tu ne peux rien cacher. Si tu fais des choses, on les voit. Si tu ne les fais pas, on ne les voit pas. D'accord ?
Donc, ملي كيكون هنا لي شوز بيان اورغانيزي او نيفو انستيتيسيونيل يكونو ان بو لي شوز بيان بوزي ديك الساعات هذاك لا استراتيجي او نيفو ديال توب مانجمنت ديال لو مينيستير دو مينيستر لي ميم الوغ سي كي ابليك لا ريفورم كون على يقين او بو دو كيلكو زاني تي بو ابليكي لي ريفورم اي سا بو دوني كيك شوز انتريسون انا بور فو دير باسكو انا جو كوني دو بارفوا دو des responsables qui veulent faire changer, qui veulent, ils font beaucoup d'efforts pour parce qu'ils savent ils peuvent faire des choses. Voilà qui n'a pas. Ouais. Mais ça fait une nouvelle chose. Comme un exemple, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'un petit ministère. D'accord, comme j'ai le ministère, enfin, je suis comme j'ai le ministère pour, vous savez, bon, on a une fonction, le statut qui fait que tu peux évoluer le grade, etc. C'est un peu un truc bidon. Il y a la formation, il y a la fonction publique. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand avec le grade, dire que tu as accédé à le grade X, il y a 4 années, voilà qu'il y a. Et année sur le Smithers que tu n'es pas payé encore ton salaire n'est pas c'est-à-dire ça bloque au niveau ministère et donc là je que vous les quoi visa notre visa etc visa mes visa donc je gère un ça me casse la tête mais moi mais quand je cours le Smithers et là en fin de compte mais à un moment j'étais obligé quand je l'ai même quand je suis quand même il faut aller pour voir mais il se trouvait que il y a un contrôleur financier, le contrôleur financier, je dis, fait l'organisme, fait qu'il visite donc les dossiers. Mais voici, quand Galiana, je vais l'appeler, quand Smito, c'est l'Indonésien, et après il va t'indiquer où est-ce que ça bloque ton dossier et tout ça. Il est d'accord, je vais voir. Ah, j'étais pas très chose. Je suis parti. Bon, j'ai un de Falcoc, Gatlo, voilà. Smito, il y a un dossier délai, bon, je ne sais pas, genre, il n'a pas été visé, ou avec chez. Ou dès qu'il y a un ordinateur, il dit, non, ton dossier, mais qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que mon dossier, mais qu'est-ce que je gagne? Non, mais ton dossier, mais qu'est-ce que je gagne le système? Bon, avec les chauffes, bon, je te dis, ce qu'il y a, c'est que il y a quelque chose qui cloche. Moi, je dis, merci beaucoup, avec chez, on a un autre ministère. On a un tlaqa dans le couloir, avec. Quand la carte bon, c'est Yusufi, bon, ça me réjouit que je. Bon, je connais les gens, ils me connaissent globalement, c'est juste par le partage et comme ça. Qu'est-ce que vous faites là que vous leur direz, voilà, bon, je suis juste venu pour voir, mais après, je me dis que Smito, Michel, un autre ordinateur. Qu'est-ce que vous avez dit là, qu'il y a une bonne Mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais après, il m'a expliqué effectivement, c'est parce que quand il y a par exemple quelqu'un, un nouveau monsieur qui est nommé, d'accord, les KG qui veut appliquer une nouvelle organisation, etc., est-ce que les gens qui sont derrière, au moins, ils peuvent te créer des blocages, blamatar. Je suis système d'information, une bille de chilibré, une bille de chilibré. Donc, en quelque sorte, c'est un peu un moyen de négociation. Bon, ça c'est juste pour te dire que la résistance au changement, pour l'éliminer, ce n'est pas une méthodologie ou là. C'est sur le terrain, il faut connecter les systèmes d'information. Alors, si on ne connecte pas les systèmes d'information des différents ministères et des différents. Si on n'arrive pas à faire ça, alors, il y a la volonté, mais au lieu que avec la réforme se passe en 2 années, il y a 6 ans ou 7 ans. C'est-à-dire, ça prend du temps à venir. Alors que. اكزاكتومون صراحه مفهوم هادشي اللي قلتي كثير واحد القضيه اللي هي مهمه بيتر اول حاجه تقدر دير هي انك تانفورماتيزي كاع لي تروك باش كومسا تلقى لي تروك باش ديغنوستي يعني باش تعرف شنو كيدير مزيان شنو كيدير خايب انا سكو جو في فير سي كو جو في ريستي انجينيور غادي نخدم مع المينيستير غادي دون ان بروجي افيك دي زونتربريز ولا جو سي با افيك دي بروفيسيونيل
pour travailler avec tout ce qu'il faut pour informatiser, pour mettre en place, pour. Vous dites que ça a été informatisé, vous dites que ça a été créé dès le ministre, vous dites que d'accord, il n'y a pas de problème, dès le ministre. Parce que je ne ferai jamais de politique, donc c'est pas mon. باي ذا واي كاينين دي كومنتار زعما على حساب هذا القضيه، حيت سولتك هذا السؤال قال لك زعما ما قابلينش بارفوا، قال لك على حساب ما كاينش اللي يقريهم، دونك يوسف يبغاو يقريهم ما بغاوش يكون مينيستر ديديكاسيون. واه سي بليزير كي يقول لي يعني سوني با باسكو جو سوي ان بون انسينيون كو جو سوي ان بون جيستيونير، تي فويي دونك سي دو جو سوي ان بون انسينيون، جو سوي كيلكان دو de nature يعني bon شانغوليك، mais elle a quand même la compétence d'être un manager, de gérer des équipes. Il faut avoir les nerfs solides. Il faut quand même. Alors au tennis, c'est pas donné à n'importe qui. Alors c'est un peu le. Ouais. Et, il faut donner à chacun c'est-à-dire bon. Ok. Donc je viens de te souhaiter. Youssef, vous voulez quoi? Regarde, bon. Oui. C'est que alors bon, c'est pas la poste, mais c'est que dans l'occasion qu'on, mais c'est pas la première fois, la deuxième. À chaque fois on me sollicite pour aller pour des postes, soit au ministère, soit en tant que conseiller ou là en tant que il y a des postes vraiment nisbelo chi wahed katqoul lesmek yqoul lek mais comment ça, il faut y aller ça veut dire c'est intéressant etc. Alors bon. donc mais quand je vois comme je fais aussi, comme je vois, mais bon, je trouve que Yanni, bon, non, Yanni, c'est-à-dire, bon, chacun a, là où il peut donner à ce pays, là où il peut faire évoluer les choses, chacun de son côté. Et forcément, bon, il y a d'autres qui sont faits que pour l'administration. Et malheureusement, Yanni, souvent les gens qui se peut-être peut-être qui ont la compétence, peut-être, etc. Parfois, mais qui ont réussi à mettre les postes, les c'est-à-dire pourquoi? Parce que justement, qu'est-ce qu'il faut bien, qu'est-ce qu'il faut. Il ne s'agit pas d'être à la tête pour faire fonctionner les choses, mais il faut que le terrain soit bien préparé pour aller. Donc, les gens parfois ils refusent d'aller vers des postes de responsabilité parce que c'est justement dans ce sens. Ok, une autre chose, c'est-à-dire bon, la compétence d'être, il faut l'avoir. C'est-à-dire, il faut avoir cette volonté pour l'avoir. Et si tu l'as pas, bon, si tu la cherches pas, tu l'auras pas. Donc, pour te terminer, je lui dis. لا يكون انا الا مشيت تخدم معاك اتونسيون، قلت لي سميتو راه نقدر ندخل لك الفيروس نتا ليا ونهز لورديناتور نبقى نبروغرامي نصاوب لي زاب يعني سي تادير لا سول شوز ما نقول لك سانسيرمون سو كو جو بو فير دو بيان ماتنون اكتويلمون سو كو جو بو فير دو بيان دابور سي كو سو كو مون ميتي جو لو في بيان جو لايم بيان لونسينيمون اي لا ريشيرش سا سي كيك شوز كو جو في بيان داكور لو دوزيام c'est que je peux contribuer, je peux avoir une responsabilité dans laquelle qui m'implique. Aller vers, il faut structurer, il faut informatiser, il faut mettre en place des architectures, il faut connecter les systèmes d'information. Et allez, je peux contribuer pour préparer le terrain. Le terrain, d'autres responsables qui devraient mettre en place, en fait, c'est-à-dire il y a des gens qui sont bien placés, tu vois que là un nombre de compétences des gestionnaires qui peuvent faire bien les choses, donc chacun de son côté, voilà. Oui, exactement. Donc je crois زعما دوزنا بزاف ديال الوقت عطانا لك سؤال اخير صراحه كاين بزاف ديال لي كيسيون اللي تسمحوا لي حيت ما يمكنش نديروا كاع لي كيسيون سينو غادي نبقى حتى الغدا بهاد الوقيته وبعدا زعما باي ذا واي التول اللي كنخدموا في اللايف صراحه ما بقاش كيبين لي كيسيون كثرت ما كاين لي كومونتير دونك اسمحوا لي غادي يكون اخر سؤال غادي نسول صراحه غادي يكونوا بزاف اللي كيسمعونا لي زيديون اكسيتيرا تقريبا هذا هو الاودينس اللي كيكون معنا في كيكس بلا بلا بزاف مع الناس اللي ديجا خدامين بغيتك تاخذ شويه ديال الوقت وتعطيهم نصائح زعما ذكرنا بزاف ديال التحديات اللي كاينين في السيستيم دي بروبليم من هنا ومن هنا
كيفاش تعالجوا كما كنقولوا في خضم مع التحديات هذو، كيفاش تنصح يعني لي ستوديون في هذه الوقيته هذه شنو يدير، شنو هما النصائح؟ واش لي ستوديون كي سون انكور ان تران دو بريباري لور لور ديبلوم ولا لي ستوديون كي سون نبداو بلي كي بريباريو من بعد ندوزو للاخرين؟ داكور تري بيان. الوغ بالنسبه ليا انا بون دابور alors بالنسبه les étudiants d'une manière générale انا ce que je peux leur dire هو d'abord il faut croire en vos compétences donc a dit la première des choses croire يعني c'est-à-dire faites-vous votre diagnostic autodiagnostic ما تحتاجش ان تجي شي استاذ ولا شي بروف ولا شي سميتو يقول لك انت راك تايرك مزيان هنايا ولا تي ني با بيان باسكو لا نوت parfois راه ما تعطيكمش لا vraie valeur de سميتو باسكو لا vraie valeur ديال سميتو parfois ما تعطيش دونك سي تادير هذاك لوطو دياغنوستيك كتعرفوا فو بوين فور و فو بوين فيبل و سي ما تحتاجش شي واحد يقول لك هادشي راه تي لو سول ا تكونيت توا ميم راه ملي كتقول انا راه ها هما لي شوز لا je dois sur lequel je vais faire l'effort il faut si c'est stratégique pour vous si par exemple vous êtes en train de préparer un diplôme d'ingénieur en ingénierie logicielle ou là en big data cloud computing ou là ingénierie informatique ou là en génie logiciel ou la qualité logicielle ou là je sais pas par exemple parce que tout ça c'est alors si vous êtes en train de préparer votre diplôme dans ce domaine, ça veut dire que vous savez pertinemment votre métier. Et si vous savez votre métier, et vous devrez si j'avais d'ailleurs tout à l'heure j'ai demandé à Youssef est-ce que j'ai une tablette graphique etc. Est-ce que je peux projeter un tableau blanc? Je vais commencer à dessiner. J'ai plein de choses à vous écrire, mais c'est pas le moment. Peut-être une autre parce que et donc votre métier il y a d'abord les fondamentaux. Alors il y a des fondamentaux qui sont très importants, les bases c'est on va dire comme je disais c'est l'algorithmique, la programmation de base, les design patterns, loin des outils, yani vraiment donc les fondamentaux. Alors, si vous voyez que vous l'avez raté dans votre cursus de formation, alors ce qu'on tente ou les choses ne te marrassent qu'un goul, peut-être j'ai pas bien fait ça dans mon bac plus 2 ou là etc avant, mais maintenant je dois remonter. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose. Donc si quand vous faites votre autodiagnostic, qu'un goul voilà les choses là où je suis j'ai des faiblesses. Matrelio, j'ai donc les faiblesses, surtout les fondamentaux. Je dis, mais tout ce qui est dans le niveau technologique, c'est rattrapable. Mais les fondamentaux, c'est comme qu'on a des ingénieurs. Les mathématiques, c'est très important pour l'ingénieur. Donc, l'algorithmique et programmation, c'est très important. Les fondamentaux de la technologie web, c'est très important. Les fondamentaux. Bon. Et après, quand je parle de la programmation, alors la programmation orientée objet, c'est qu'on, par exemple, au top. Quelque l'orienté objet, ça y est, donc tu as la maîtrise. Pour pratiquer l'orienté objet, il n'y a pas mieux que d'aller vers l'étude des design patterns, etc., pour un peu faire les choses comme il faut, pour savoir vraiment l'intérêt de l'orienté objet. Donc, il faut l'appliquer dans la qualité logicielle. Donc, les fondamentaux, le premier cas. Le deuxième conseil que je vais donner, si vous faites, je sais pas, bon, je parle à la SSM, les étudiants, l'informatique. Peut-être, alors, si c'est l'informatique, yani, l'informatique, c'est un domaine où il faut utiliser l'ordinateur beaucoup. C'est-à-dire, si tu veux avoir vraiment un niveau de maîtrise, il faut donner beaucoup de temps à ton ordinateur. Yani, il faut passer beaucoup de temps avec ton ordinateur, c'est-à-dire à écrire, à tester, à faire. Donc, si à chaque fois que vous ouvrez l'ordinateur, les réseaux sociaux ou la dire chez Hajel, là, tu vas jouer ou des choses comme ça,
C'est-à-dire il faut faire un effort. Oui, tout ça, c'est important. Vous allez vers les réseaux sociaux, vous allez vers ça. C'est inévitable avec votre téléphone. C'est très important. Et c'est même très important parce que si vous n'êtes pas là, c'est que parfois vous serez en décalage. Mais c'est qu'on a une organisation. On a un chic, on a l'ordinateur, on dit c'est les choses que je dois travailler. Donc il faut donner beaucoup de temps. Et quand vous donnez beaucoup de temps à votre ordinateur, à programmer, à développer, à faire des choses, à des tests, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir, l'automatisme incroyable. Alors je le dis toujours aux étudiants, l'ingénierie logicielle, tu peux résoudre un problème en 5 minutes comme tu peux le résoudre en 50 jours. Alors c'est un peu extrême, c'est-à-dire je peux tâtonner à résoudre un problème n'importe comment, ou parfois ça me prend des jours et des jours et des jours pour arriver à un résultat. Mais avec un peu plus de recul, plus d'expérience, plus de choses, parfois vous arriverez à produire quelque chose en, alors si je dis 5 minutes, j'exagère, mais ça peut être dans un délai qui est très court. Donc, pour que tu commences à devenir, on va dire, opérationnel et performant, à produire rapidement de la bonne qualité, par exemple, logiciel, ben il faudrait donner beaucoup de temps, comme je disais, à votre ordinateur, parce que il faut avoir la patience de passer beaucoup de temps avec votre ordinateur et de faire tout ce qu'il faut. Mais à un moment donné, vous allez voir que le retour que j'ai avec le recul, ça vient tout seul. Mais si vous gérez votre formation, votre enseignement, rire dès que j'ai le baccalauréat, parce que vous savez que le baccalauréat, la majorité des cas, c'est que c'est une préparation. Il faut être intelligent de faire, parce que ce qui vous intéresse finalement, c'est la note. Donc vous travaillez, vous faites tout ça pour la note. Donc, vous avez une bonne note sur le baccalauréat, ça vous a permis, c'est bien. Donc, un avenir valide quand vous êtes ingénieur, surtout les dernières années de votre formation, soit technicien ou ingénieur ou la master. Alors c'est votre métier qui est en jeu. C'est que il y a l'aspect académique, il y a les notes et tout ça. Mais vous devrez être intelligent. Alhamdulillah, maintenant il y a des cours sur YouTube, il y a des ressources, il y a tout ce qu'il faut. C'est que ma bakesh, on a avec le choix que vous voulez. Bon, heureusement, qui m'a dit Youssouf tout à l'heure, c'est que 50%, ils disent c'est pas suffisant. Ben, quand vous l'avez, heureusement, c'est que maintenant l'avenir de la formation, c'est l'enseignement en ligne, c'est l'enseignement à distance. C'est que les universités du futur, c'est des universités qui vont être, qui vont se passer en ligne. Donc, ça veut dire que l'autonomie de chercher la ressource et de l'analyser, de l'utiliser et de la pratiquer, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre métier. Et bien sûr, trouver un équilibre, parce que il faut pas être parce que l'aspect académique, vous avez des devoirs, vous avez des choses. Il faut faire confiance à vos enseignants. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, c'est وخاك يبان لكم بعض المرات ان شي حوايج ماشي مهمين peut-être à l'immédiat, mais comme قال Youssef tout à l'heure, c'est que après vous allez découvrir que il y a des choses que vous faites qui sont très 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 importantes. وخا ما كيبان لكم شيء important, et tout ce que vous faites généralement, c'est important. Alors donc il faut un peu, alors هذه واحد حاجه. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler sur votre mental, parce qu'en fait il y a votre métier qu'il faut travailler, mais en même temps il faut pas oublier de travailler sur votre mental, ou travailler sur votre mental parce que maintenant on passe une situation un peu difficile depuis le Covid. Il faut le dire, nous avons passé des situations qui sont très très difficiles. Elle est, je l'ai,
En fait, économiquement, il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de suivre les cours à domicile, il y en a ceux qui ont des problèmes de connexion. Et après, il y a les gens qui dépriment facilement. Il faut le dire que la majorité des gens dépriment. Alors, je ne parle pas que des étudiants, je parle. Il y a les enseignants, il y a parce qu'en fait, les enseignants, moi, c'est quoi? Bon, les enseignants, là, ils ont aussi des enfants. Ils ont de la famille, c'est-à-dire, il y a des étudiants. Donc, ce qui fait, tout le monde vit dans la pression, d'une manière générale. La même chose. Donc, ce qui fait, donc c'est pour cela que je vous dis bien, chacun de son côté, il doit travailler sur son mental. C'est que, même si vous passez peut-être des moments difficiles, il faut travailler sur votre mental pour préserver vos capacités mentales, pour ne pas être affecté. Parce que une fois que il faut rester positif. Alors, mais comme tu es positif, tu crois toujours que tu arrives à ton top, là tu vas y arriver. Mais si tu commences à avoir que le doute, à toujours être négatif et à chercher que les mauvaises choses, regardez que toujours, c'est nous avons la chance d'être dans un pays comme le Maroc. Là, on est dans la bonne voie au Maroc. C'est-à-dire, il y a on a des problèmes, on a beaucoup de. Mais, ne, alors, bon, quand je parle le Maroc ou là, le Maghreb, ou d'une manière générale, c'est que on est, en fait, on est condamné à évoluer. On est condamné à. Il faut qu'on aille très loin. Parce que nous avons quand même, il y a des atouts qui ne sont pas exploités jusqu'à présent, mais c'est quelque chose qui est là, donc au Maroc. Donc, ce qui fait, Anam Nisbali, bon, restez positif. La manière avec laquelle, honnêtement, on a vécu, alors, vous ne pouvez pas croire. Alors, on a vécu, on a fait des études avec vraiment. Il y a que le strict, 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 strict minimum des moyens qui existent dans le monde, etc. On faisait de la musique, on faisait. Il n'y avait même pas. Quand tu parles. C'est-à-dire. Bon, c'est-à-dire que profitez du fait que vous soyez étudiant. Parce que la belle période que vous vivez dans votre vie, c'est en tant que des étudiants. Donc, c'est pour cela que, notamment en tant que votre mental, et essayer de s'intéresser, c'est comme tout à l'heure, il y a votre vie en tant qu'étudiant, il y a votre carrière académique, mais n'oubliez pas de sortir de votre. Un peu regarder de l'extérieur, il faut travailler les aspects, les soft skills. Il faut faire un peu de la culture. Vous lisez, vous faites des lectures, participez à des associations, si Youssef ou toute son équipe, etc. Essayez de toujours de vous sentir, c'est-à-dire, voilà, positif et que vous servez. Parce que, peut-être que c'est la conclusion, c'est que l'univers, Allah, سبحانه وتعالى خلقنا واحد الحاجه في كل واحد عطانا كيعطي الله كل واحد شنو عطى يعني فريمون ما تشوفوش ما عمركم تشوفوا شي واحد كتقول انا ما عندي ولا ما عنديش راه هو شوف كل موند ا كيلكو شوز راه كاين اللي عطى الله لا كونيسونس كاين اللي عطى الله الفلوس كاين اللي عطى الله تبارك الله الصحه وكاين اللي كل واحد شنو عنده كاين اللي عنده الوقت كاين اللي راه سي انكرويابل راه شكا ا كيلكو شوز ا دوني Il peut donner de l'argent. Quel est celui qui peut donner le temps, les autres? Quel est celui qui peut donner le khatar? Quel est le par exemple, quelqu'un qui a vraiment du sourire. Quelqu'un qui s'oriente, qui sourit aux gens, qui leur donne. Là, chacun a quelque chose à donner. Donc, Adiel, le secret de ce que je vois comme ça, c'est que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné quelque chose.
سي تو سامبلومون بور سوفوار كيس كون فا فير افيك اش غنديرو بهاد الحاجه واش باسكو ان فيت دون هاد لو موند اون اي في بور يعني vous savez la biodiversité c'est quelque chose qui est prouvé c'est-à-dire chaque chose il est là pour quelqu'un d'autre alors les insectes sont là pour les animaux sont faits pour servir autre chose ou nous entre humains on est fait pour servir yani alors c'est la biodiversité c'est ça la nature c'est ça c'est que l'univers il est créé c'est que les lois de l'univers c'est que chacun a quelque chose à donner ou bien sûr quand je dis chacun a quelque chose à donner là, automatiquement il reçoit parce que je reçois des autres donc anam kangolikom donner c'est un peu ça c'est-à-dire sortez de dire hadak il faut être positif mahdak tu donnes quelque chose mahdak tu participes dans la vie positive on va dire croyez-moi que vous allez vivre très heureux. Alors peut-être c'est pas heureux, ça veut pas dire avoir beaucoup d'argent ou là avoir de l'argent ou là tout ça, parce que il y a pas mieux que à un moment donné quand tu le soir tu vis une vie normale. Il y a pas mieux que ça. Hein. Alors maintenant, en arrière les kangoulikom, c'est que même si vous sentez la pression, si vous sentez que vous vivez dans des moments difficiles, peut-être. Alors, ne cédez pas l'esprit négatif. Ne cédez pas. Yani, soyez toujours حيد راه je veux dire que yani dans votre personnalité, راه كاين اللي كيجرك النيجاتيف, كاين اللي كيجرك البوزيتيف, mais نتوما ما عندكم كجرو البوزيتيف, راه vous êtes en train d'éliminer en quelque sorte les comportements négatifs qui viennent dans la tête parce que l'esprit de l'être humain mais quand vous négatif là je ne parle pas de quelque chose de mauvais ou là c'est juste parce que être optimiste ou la pessimiste voilà. Soyez optimiste voilà et yani, soyez plus optimiste souriez regardez toujours les gens etc mais ne perdez pas le temps achetez le temps il y a plus de temps à perdre. Yani vraiment, alors il aime chiter le café, tu prends un café, mais c'est pour faire quelque chose. Tu prends ton café, mais en même temps, tu es en train de faire quelque chose. Tu pars, tu sors avec ton ami le smito, le voyage, et si tu as la chance d'aller voir le bus ou l'autocar, alors avec le parcours du bus, on va lire un petit bouquin ou là, écrire quelque chose. C'est juste pour vous dire, c'est agréable. Ne perdez pas le temps. Il y a plus de temps à perdre. Il y a plein de choses à faire, mais que c'est des positifs. Voilà. Alors, je pense que j'ai dit un peu des choses. Ça a été très important. Ce qui est le plus important, c'est que je suis très bien. 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 Je suis وكل شيء سباز لازمك سواء في الانفورماتيك ولا ماشي في الانفورماتيك ضروري خصك بلاد مركز على هاد لي تروك هادو دونك جو حطمنا الريكورد تقريبا هادي اطول حلقه في التاريخ ديال اكس بلا حلقه 60 كانت هي اطول حلقه وفي شي المندبه تقريبا 3:22 دقيقه شكرا بزاف استاذ يوسف صراحه على الوقت ديالك وشكرا بزاف الناس اللي كانوا معنا وبقوا معنا هاد الوقيته كامله صراحه 3 سوايع ماشي سهله باش انك تبقى متبع شي ايميسيون الناس اللي كيتبعوا اكس بلا بلا الحلقه الجايه غادي تكون ان شاء الله كما شرط ليها فاش دوينا على ستيت غادي تكون نديروا فيها الريفيو ديالنا نتاع ستيت اوف ديف .ma دونك بيتيتغ اللي بغى حقاش كاين تقريبا شي 45 سؤال دونك غادي نحاولوا نتريتيهم ونشوفوا كتسوى الصالير كتسوى شنو هما لي تكنولوجي اللي كاينين دونك كاين بزاف الاسئله ما تنساوش انكم نهار الحد الجاي اي جيس الا كان داكشي واجد حيت مازال ما عرفتش 100% دونك غالبا السيمانه الجايه نهار الحد مع 8 نفس الوقت غادي تكون الحلقه ديال سيت اوف ديف بوينت ما سيريوس في دابا راه ولف معنا كيكس بلا بلا مادام دوز 3 سوايع ضروري غيجي معنا مره اخرى ضروري ومخاسب كيكون مرحبا دونك ضروري غادي يجي معنا مره اخرى ان شاء الله كما قلنا لكم جو شكرا بزاف الناس اللي سولوا حتى الناس اللي حطوا الاسئله ديالهم شويه ديزولي صراحه ما قدرتش نسولوا كاع الاسئله مع الشيء اللي عطى الله دونك استاذ يوسف بقى معايا دونك انا غادي نحاول نسالي اللايف
نجي عاوتاني اون اوتر فوا اي اون بو بارلي دو شوز بيان بريسيز بوتيتر دي بوتي ديتاي كي سون امبورطون اي صافي افيك غران بليزير انا لاكس انا راه بحال بون انا سيتادير يعني طونك يا دي جون كوم فو qui ont qui donnent le temps d'organiser de faire les choses parce que organiser ce que vous faites là c'est extraordinaire parce que c'est quand même c'est-à-dire il faut quand même donner à César ce qui est à César, c'est-à-dire il y a le contenu qui est diffusé comme ça, il y a des discussions, c'est bien, mais organiser des événements comme ça pour ramener tous ces gens là d'une manière virtuelle à échanger, alors c'est quand même bravo Alikoum, c'est très bien, je vous félicite, voilà. شكرا استاذ يوسف. كيما قلنا دابا اوفيسيلمون غادي يجي معنا مره اخرى ان شاء الله ضروري في ديسكسيون اللي كتكون شويه فهمتي كيما كنقولوا حارقه في كيكس بلا بلا كنحاولوا نديروا ديسكسيون اليوم يكونوا مزيانين. دونك استاذ يوسف يحاول تبقى معايا في الباك ستيج، انا غادي نحاول نسد اللايف. دونك كيما قلت لكم الحلقه الجايه غادي تكون ستيت اوف دي بوين الحج جاي نفس لوقيته اللي وراها غادي نهضروا شويه على البي اتش دي في الكوتي ديال اليونيفرسيتي بالتخيل يقدر يجي معنا الاستاذ يوسف، مازال ما تاكدتش الحلقه. دونك سيو ان شاء الله السيمانه الجايه، وكما كنقولوا زعما حاولوا انكم تبارطاجيو ماكسيموم، والسلام عليكم، اديوس.